Bien bonsoir amateurs de course, bienvenue à cette semaine aux courses en ce mardi soir 14 septembre. Anthony Marcotte en compagnie de Tommy Lavallée, bienvenue à l'émission. Une saison qui tire à sa fin, Tommy, c'est le cas de le dire, parce qu'en fin de semaine, on a complété une saison sur un autre circuit, le RPM Speedway. Saint-Guillaume également a mis un terme à ses activités dimanche. Et l'Autodrome Granby, évidemment, vendredi. Donc, les pistes ferment pour l'hiver. Et malgré tout, il annonce encore bon en fin de semaine prochaine. Yann Bussière va être content pour Race Mania. Mais rendu à la mi-septembre, là, effectivement, il en reste moins qu'il en restait. Oui, on commence à regarder les programmes de course et se dire, ah non, pas déjà un autre de moins. On le sait, la saison passe tellement vite. On était quand même chanceux au niveau de l'appui, évidemment, à part le RPM Speedway. Mais on a pu présenter quand même beaucoup de programmes du côté de l'Autodrome Granby. La saison s'est terminée la semaine dernière. Là, c'est la saison 2, disons. La saison s'est vraiment terminée vendredi avec la fin des championnats en slingshot et en sport compact. Donc, la même chose du côté du RPM. Il reste pas beaucoup de courses. Il reste Drummondville et il va y avoir Cornwall également. On va vous avoir des nouvelles là, pour vous sur Cornwall. On est bien, bien content de vous parler du Fall Showdown là, qui va avoir lieu au mois d'octobre. Oui, absolument. Raymond Lavergne du Cornwall Motor Speedway qui sera avec nous dans les prochaines minutes. Puis on reçoit également le pilote Michael Parent qui va être avec nous un petit peu plus tard pour nous parler de sa saison, des décisions de courses qui ont été prises au cours de la saison, de son changement d'une voiture de type Théo à un Bicknell. C'est quand même un mouvement qui a fait jaser dans les puits. Et Michael, qui a connu beaucoup de succès en fin de semaine, terminé troisième samedi au RPM. Il l'a emporté le lendemain du côté de Saint-Guillaume. Puis on reçoit Dominique Lucier dans les prochaines minutes pour tirer un trait sur cette saison. Dominique et JF qui ont terminé leur saison à titre de promoteur. Une saison, encore une fois, Tommy, remplie de défis pour tout le monde. Mais on a eu vraiment une belle saison dans les circonstances. De un, la météo a collaboré. Et de deux, les championnats ont été chaudement disputés jusqu'à la semaine dernière. La conclusion de la majorité de nos championnats, les luttes ont été très, très serrées. Oui, pour tout ce qui arrive au niveau de la piste, c'était excellent. Évidemment, tu l'as dit, les championnats étaient très serrés. C'est très spectaculaire à chaque fois qu'on avait. C'est rare qu'on ait eu des courses plates là, cette année. C'est même presque pas arrivé, d'après moi. C'est surtout le autre qui a vraiment fatigué JF, puis Dominique va vous en parler un peu plus tard. Mais il en parlait avec notre collègue Michel Tassé de la Voix de l'Est. Il disait, là, c'était une saison très fatigante, justement. Là, on a eu le passeport vaccinal qui est arrivé, heureusement, pour Dominique et JF en fin de saison. Ouais. On a eu également là, tout ce qu'on a dû faire au niveau de la COVID, les entrées spécialement pour les puits, les entrées des estrades, le nombre de spectateurs qui a joué. Donc, ça n'a pas été une saison. Des soirées sport-spectacle. Ça a été incroyable. Quelle imbécilité. Impouvantable. Ça se peut-tu? Non, mais avec le recul, tu dis ouais. Oh, c'était vraiment le dindon de la farce à son summum, mais on n'avait pas le choix. Moi, je serais curieux de nous réentendre annoncer ça. Ça devait être pathétique. Ça l'était. Le nombre de fois qu'on a dit sport spectacle, puis. Et le premier à terminer ses tours, donc. Ouais, ouais. Au moins, on a vu des courses quand même. On a rajouté des mots lexiques, Toby. Ouais, on n'a pas eu le choix. Là-dessus, justement, vous avez le menu. On aura également le bloc NASCAR avec Kevin Lusignan. Kevin Hébert, lui, viendra nous parler de F1. Ça continue de brasser dans le championnat du monde de F1. Alors, c'est le cas de le dire, Max Verstappen et Lewis Hamilton, pour une deuxième fois cette année, se retrouvent impliqués dans un accident. C'est un championnat qui est extrêmement serré. Puis il y a du mouvement de personnel également. Puis NASCAR a annoncé aujourd'hui qu'il y aura du changement également à l'horaire de la saison 2022. On sent vraiment là, que du côté de NASCAR, on veut brasser la soupe, on veut créer de l'intérêt jusqu'à la fin et rajouter quelques épices à travers une saison qui traîne souvent en longueur, on s'entend, en NASCAR. Donc on amène quand même beaucoup de nouveautés pour la saison 2022. Puis on aura à la toute fin de l'émission les choix du président avec notre ami Tommy. Mais sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. On vous raconte ce qui s'est passé sur nos circuits de course en fin de semaine. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. L'Autodrome Granby présentait la dernière soirée de sa saison à l'horaire, une finale de 75 tours chez les Sportsmen, payant 2 000 $ aux gagnants. Et Tommy, la décision de David Hébert et de François Bernier de participer à cette épreuve à titre de pilote de Sportsman a beaucoup fait jaser. Et David Hébert aborde la voiture de Félix Murray, la voiture numéro 6,
est allé chercher la victoire. Une victoire chaudement disputée, il faut l'admettre. Quel duel il a livré à Cédric Gauvreau? Oui, justement, Cédric Gauvreau, c'est vraiment le pilote qui ressort gagnant. Oui, il n'a pas gagné la bourse, évidemment, mais il ressort gagnant de cette course-là. Pourquoi? Il s'est mesuré aux deux plus grands champions modifiés de l'histoire d'Autodrome Granby. Et il a donné vraiment beaucoup de fil à retordre à David Hébert. David Hébert qui a dû vraiment puiser là, dans son sac d'expérience pour aller chercher la victoire contre le 22 de Cédric Gauvreau. Vraiment une belle course de sa part. Hébert a passé devant. Gauvreau est revenu. Gauvreau, à un moment donné, était troisième. Félix Roy l'avait dépassé également. Quelle course de Cédric Gauvreau. On voit également Samuel Charland. Samuel Charland là, qui était quand même aux avant-postes vers la fin, mais a reculé là, lors d'une dernière relance. Mais ça a été quand même suffisant pour remporter la Coupe Garage P.O. Claire du côté de Samuel Charland. Mais vraiment, là, quel spectacle on a eu entre Cédric Gauvreau et David Hébert. David Hébert, c'est quand même drôle parce que il retrouvait Stéphane Nadeau, oui, avec qui il avait déjà été en équipe, et son numéro 6 avec lequel il a commencé. Donc, c'est comme un retour aux sources pour David Hébert. Il a appris, là, t'as monté avec moi dans la... Je savais pas encore. Dans la loge des annonceurs, puis tu le savais pas. C'est puis ça. On l'a appris lorsqu'on a eu les line-up, puis David, je pense qu'il l'a appris un peu avant nous. Là, mais encore chanceux vraiment... que la saute de course était dans la remorque de Daphné, parce qu'il embarquait pas ce soir-là, il avait pas sa combinaison. Exact, il avait le casque de Félix sur la tête, finalement, ben... Félix a décidé de se retirer à la dernière minute, de laisser les clés de la voiture à David, qui a ramené ça dans le cercle des vainqueurs. Puis à la suite de ça, Tommy, j'ai posé une chronique au lendemain de l'événement expliquant vraiment mon point de vue sur ce que je pense des pilotes modifiés qui descendent en Sportsman pour un événement par année à la fin de la saison. Vous irez le lire. Si je peux me permettre de le résumer, là, mon point de vue là-dessus, c'est que, mea culpa d'abord, on aurait peut-être dû le publiciser davantage, que c'était une épreuve qui était ouverte à tous. Qu'un pilote comme David Hébert, un multiple champion modifié, puisse descendre pour un soir courir en Sportsman, on aurait peut-être dû en faire une meilleure promotion, parce que d'abord, on aurait peut-être vendu plus de billets dans les gradins. Faut l'admettre, le vendredi, on pouvait compter chaque spectateur dans les gradins, et c'était peu nombreux. C'est pas vendeur comme peuvent l'être les modifiés dans une soirée conventionnelle. Les gens s'attendent à voir les grosses cylindrées, à voir des modifiés en piste, et avoir par le fait même des pilotes vedettes sur le circuit. Si on avait publicisé ça, peut-être qu'on aurait rajouté des jeunes à les gradins, mais l'essence même de la chose, pour moi, c'est que pour être le meilleur un jour, il faut que tu réussisses à battre le meilleur. Et pour moi, les deux meilleurs à Granby depuis de nombreuses années, c'est David Hébert et François Bernier. Je peux dire une chose, moi, Cédric Gauvreau, probablement, un bien meilleur pilote aujourd'hui qu'il l'était avant le programme de vendredi, après avoir livré un duel extraordinaire à David Hébert. C'est vraiment mon point de vue, mais faut pas que ça se produise à toutes les semaines. Mais un soir par année, François Bernier et David Hébert n'ont pas privé quiconque d'une place dans cette finale-là. C'est sûr que si on en rajoute 15, là, la situation est différente. Mais deux pilotes, la crème contre les meilleurs en Sportsman, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une excellente course et on a vu de très, très bons jeunes pilotes Sportsman montrer toute l'étendue de leur talent. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je n'essaierai pas de convaincre les gens qui ont leur idée bien fixe, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui dérogeaient pas vraiment de leur idée qu'il n'y avait pas d'affaires là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la bourse est allée à Félix Murray, donc la bourse est restée quand même en Sportsman. Exact. L'autre chose que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé avec Samuel Charland. Samuel Charland, lui, a trouvé le challenge incroyable de courir contre ces deux gars-là. Fait qu'il y a deux façons de le voir. Est-ce que on aurait pu avoir un podium tout Sportsman avec des pilotes réguliers? Mais est-ce que Cédric Gauvreau n'est pas content d'avoir couru? Peut-être sur le coup, là, il n'était peut-être pas content d'avoir terminé deuxième. Mais il a couru contre David Hébert et François Bernier. Puis on s'entend, là, Cédric Gauvreau, c'est une question de temps là, avant qu'il soit modifié. Donc, il a prouvé, je pense, à tout le monde qui était au niveau d'être rapide, je pense qu'il est au même niveau que les autres. C'est au niveau de l'expérience qui a fait de la différence. Mais vraiment, moi, je vois pas vraiment de désavantage à un spectacle de la sorte à la fin de la saison. Ça rajoute du challenge. Puis oui, il y a peut-être des choses à améliorer. On devrait peut-être le publiciser justement parce qu'il y aurait peut-être d'autres pilotes qui auraient voulu participer également. Ouais. Peut-être plus. Certains n'étaient pas au courant. Clairement, certains n'étaient pas au courant qu'ils avaient le droit d'y participer. Mais à chaque année, c'est pas nouveau, là. On a déjà vu ça, là, des épreuves Sportsman ouvertes à tous hors championnat, comme on avait en fin de semaine. Mais Anthony, c'est probablement que les gens qui n'étaient pas d'accord avec ça en fin de semaine n'étaient pas d'accord non plus avec la course de Yann Bussière il y a quelques années. Eh bien, c'était donc, les mêmes qui critiquaient, effectivement. Ouais. Donc, tu sais,
On peut pas les convaincre. Ça fait deux événements. Les deux événements n'ont pas été d'accord. Donc, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer d'avoir plus de gens à les estrades. Puis je pense que ça en amenant des noms. Puis je suis convaincu que les pilotes sportsmen, là, quand ils sont avec David Hébert ou François Bernier, tous ceux qui ont lutté avec ces deux pilotes-là, là, voulant en donner plus, puis ont regardé. Je parlais justement avec un pilote sportsman qui avait fait la course All-Star là, du côté de Drummondville. Il dit « J'ai suivi David Hébert pendant quelques tours et j'ai compris bien des choses en le voyant rentrer dans le coin. De quelle façon? Mm-hmm. » Comme je vous dis, vous pouvez avoir votre opinion. C'est bien correct. Ça prend plusieurs opinions dans le monde des courses. Là. On le voit là, sur les réseaux sociaux toujours. Mais à mon avis, je pense que tous ceux qui ont couru contre les deux grands champions ont appris. Ouais, puis je termine peut-être là-dessus. Pour ce qui est de la relève, je pense que depuis plusieurs années, que ce soit avec la classe Slingshot, désormais les sportsmen, les jeunes pilotes qui ont avancé, qui ont pris du galon et qui se retrouvent aujourd'hui en sportsmen, ils ont eu l'occasion de briller. Entre autres, cette année avec la Coupe Médric Marion, les pilotes de 19 ans et moins, on a vraiment mis tout l'accent sur les jeunes pilotes. Alors, maintenant qu'on présente une épreuve ouverte à tous à la fin de l'année, je ne pense pas que les promoteurs sont dans une situation pour s'excuser de quoi que ce soit quand on a offert de belles opportunités aux jeunes pilotes pendant la Coupe Médric Marion, entre autres à Granby. Oui, la Coupe Médric Marion, mais également, Anthony, il y a les B-Main. Exact. Les B-Main avec les entrevues, ils ne sont pas obligés de donner les entrevues, là, le vainqueur du B-Main. On a offert justement du temps d'antenne, du temps de caméra, comme vous voulez, du temps de micro à des pilotes qui avaient remporté la consolation, justement parce qu'on a vu des nouveaux visages. Puis ça a été le fun de voir ça. L'année prochaine, je pense que l'équipe de l'Autodrome Granby va préparer ça autrement. Ouais. Mais moi, je vois ça d'un bon œil de voir des pilotes. On dit souvent, David Hébert, là, il est bon parce qu'il a une bonne voiture. Mais là, il y a la même voiture. En sportsman, là, les voitures se ressemblent encore plus qu'en modifié. Tout le monde est à armes égales, à peu près. Allons aux courses. Ouais. Et David Hébert a été capable d'aller remporter ça. On y reviendra avec la soirée suivante. Parce que s'il y avait bien quelque chose que j'anticipais pas, c'est que David Hébert ne soit pas capable de se classer pour la finale modifiée le lendemain au RPM. C'était pas nécessairement toute de sa faute, il y a eu des problèmes mécaniques, mais quand même, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, mais absolument pas. On y reviendra dans le résumé du RPM, parce que si on revient sur l'épreuve de Granby vendredi, c'était la série Farnham chez les Pro Stock, une épreuve qui a malheureusement été réduite de 10 tours en raison du couvre-feu. On s'est repris le lendemain au RPM en ajoutant 10 tours de plus à la finale de la série Farnham. Mais quoi qu'il en soit, quelle belle surprise que de revoir Robert Larocque sur la première marche du podium. Une première victoire pour lui à Granby depuis 2005. Oui, vous le voyez complètement à l'extérieur. C'est de cette façon-là qu'a remonté Robert Larocque. Et comme je disais lors de la soirée, c'est le fun de voir Gabriel Caouette et Robert Larocque qui ont mené. Là, les deux ont été en lutte pour la première place pendant de nombreux tours. Ça faisait du bien de voir des nouveaux visages. On est habitué de voir les Pascal Payard, les Bruno Richard, Bruno Cyr, Danny Vogel. C'est des pilotes qu'on voit un peu moins souvent aux avant-postes et ont donné un très bon spectacle. Et juste à la fin, c'est à la fin que Jocelyn Roy a pu vraiment se rapprocher de Caouette et le dépasser dans les derniers tours. Mais tout un spectacle qu'ils nous ont offert, Caouette et Robert Larocque. Personnellement, moi, j'adore ça quand un pilote qui n'est pas supposé de gagner remporte la victoire. Oui. C'est toujours très émotif. Ça fait vraiment changement. Puis, félicitations. Et félicitations également au Pro Stock parce que... Très belle épreuve. Il n'y a pas eu de jaune, là. Pas du tout. Donc, ça a été une très, très belle épreuve pour les Pro Stock. Championnat Sport Compact qui prenait fin, Tommy. On l'attendait parce que c'est un championnat extrêmement disputé, serré, entre Danick Sylvestre et Jérémy Goyette. Sylvestre qui menait par 6 points de priorité sur Goyette avant le début de cette dernière finale de la saison. Et finalement, au bout de la ligne, c'est Sylvestre qui remporte le championnat. Pas compliqué, Anthony. Pendant 20 tours, c'était Jérémy Goyette qui allait être champion. Et vers la fin, il y a une relance et Danick Sylvestre en a profité pour aller coiffer Jérémy Goyette. Goyette, malheureusement, quelques tours plus tard, a dû abandonner là, pour des troubles mécaniques. On les voit encore une fois. On a eu toute une course en sport compact, des 3 de large. On a presque eu des 4 de large. Mathieu Vogel a encore passé très près d'aller chercher une victoire. Malheureusement, il a terminé 3e pour lui. J'ai malheureusement, c'est un autre podium, mais il voulait absolument aller chercher une victoire cette saison. Et c'est Alexis Charbonneau qui a été chercher la victoire. Et on en parlait justement hors d'onde. Charbonneau et Goyette sont très, très proches. Et lorsque Charbonneau a déposé Goyette, on se disait, ben Charbonneau va coûter le championnat à Goyette. Ouais. Heureusement, ça s'est pas fini comme ça. Mais on est aux courses. Exact. Puis Charbonneau, lui, a gagné le Challenge Pont Élévateur RGD, donc a gagné le mini-championnat. Et Danick Sylvestre a été chercher le championnat de piste. Et Mathieu Vogel a fini 3e. Et c'est Maxime Baillargeon qui a été déclaré recrue de la saison.
Bon, après la course, controverse, est-ce qu'on peut appeler ça une controverse quand il y a un protêt de déposer sur une voiture? À vous d'en juger. Mais il y a eu effectivement un double protêt déposé sur la voiture numéro 9 de Danick Sylvestre. Dominique Blais est, entre autres, derrière ce protêt, ce qui est tout à fait légal. C'est comme ça que ça fonctionne aux courses. Quand on a un doute sur une voiture, on dépose la somme d'argent et on force finalement la main des inspecteurs d'évaluer la voiture. Le diagnostic n'est pas encore précis concernant Danick Sylvestre. On va savoir ça dans les prochaines heures parce que, bon, écoute, je suis pas un spécialiste de la mécanique, mais l'objet finalement du protêt demande une inspection approfondie et on a besoin de l'équipement nécessaire pour la faire, l'inspection. Donc, on verra si tout va s'avérer légal dans la mécanique de la voiture de Sylvestre. Oui, et puis, vous le savez, en sport compact, il y a tellement de possibilités de moteurs, de motorisation, de différentes sortes de voitures. Donc, ça devient difficile d'avoir tous les outils à la piste pour tout faire ces tests-là. Et ça prend quelqu'un vraiment qui connaît les quatre cylindres. Tu sais, un modifié, un sportsman, c'est la même base de moteur. On vient qu'à savoir, les inspecteurs sont habitués de travailler avec ça. Ouais. Donc, on veut vraiment s'assurer de la légalité des éléments là, qu'on a ciblés avec le protêt. Donc, ça devrait sortir cette semaine, la décision, là, si Danick Sylvestre est légal ou pas. Donc, une histoire à suivre. On termine avec les Mud Light ainsi que chez les Slingshot qui étaient présents vendredi à Granby. L'Ontarien Jeffrey May, venu d'aussi loin que Hamilton, Ontario, est venu remporter une victoire en Mud Light. Il a réussi à briser la séquence de Kevin Boucher-Carrier. Oui, Jeff May qui était premier. C'est retourné tête à queue, reparti derrière, est allé chercher Kevin Boucher-Carrier. Tu m'avais dit ça avant le programme, j'aurais dit, je ne penserais pas que ça va arriver parce que Boucher-Carrier est tellement dominant cette saison. Ouais. Mais ce soir-là, c'est May qui avait le meilleur, vraiment à trouver une ligne de course spéciale dans la courbe 1 et 2, aller à l'extérieur et recouper à l'intérieur. C'était très rapide pour la voiture 23. Kevin Boucher-Carrier a terminé deuxième et c'est le vétéran Éric Desilets qui a pris la troisième position. Et chez les Slingshot, est-ce que tu as les résultats à rapporter en Slingshot? Slingshot, on a décerné les championnats et les recrues de l'année. Donc, champion en Slingshot junior, Olivier Desrosiers. Recrue de l'année, c'est Ludovic Guilmette. Et au niveau senior, c'est Cédric Tremblay qui a tout raflé. Donc, recrue et champion. Donc, moi, je veux profiter là, du moment pour féliciter tous les pilotes Slingshot. Vraiment, là, on a fait une présentation spéciale. Oui. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens les estrades pour vous applaudir, mais vraiment, vous avez donné un bon spectacle toute la saison. Vous êtes vraiment notre futur, puis on vous appuie là, dans votre carrière. Donc, on a hâte de vous voir l'année prochaine encore en Slingshot ou on ne sait pas, peut-être en sportsman ou dans une autre catégorie. T'as entièrement raison. Passons maintenant du côté du RPM Speedway. On ne va pas présenter des images de la finale de 100 tours qui avait lieu chez les modifiés. Deuxième soirée seulement de compétition cette année au RPM, le short track spectaculaire. Et c'est une épreuve finale qui n'a pas déçu, Tommy. Non, très bonne finale. On a assisté à toute une lutte entre Steve Bernard et Michael Parent pour un autre soir. Faut s'en souvenir, ces deux-là avaient eu maille à partir. Maille à partir, pas dans le sens qu'on s'est battu là, sur la piste ou qu'on a eu des contacts. On a eu une très belle lutte sur la piste entre ces deux-là lors du dernier programme à Granby pour la fin du championnat. Et du côté de Michael Parent, là, vraiment, on était très solide. Même chose pour Steve Bernard. C'est Steve Bernier qui a été chercher la victoire. Steve, du même coup, a gagné le championnat, le court championnat de deux courses du côté du RPM Speedway. Et je me dois de souligner, lors des qualifications et des time trials, la performance de la famille Plante. Oui. Je pense que Josiane, oui, on sait que Maxime est très rapide. On oublie souvent que Josiane est capable de l'être aussi. Maxime a très bien fait. Il a mené l'épreuve aussi pendant de nombreux tours dans cette finale. Mais Josiane a vraiment surpris en étant la plus rapide dans les temps chronométrés. Donc, félicitations à Josiane et à Maxime, donc à la famille de Régent Plante. Donc, excellente finale. Ça faisait du bien de revoir des modifiés du côté du RPM Speedway. On s'en ennuie, on le sait. Ouais. C'est un circuit tellement spectaculaire, le RPM Speedway. On n'a pas la chance d'y aller aussi souvent qu'on voulait. Et je pense que qu'est-ce qui a retenu l'attention, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la non-qualification de David Hébert. Un bris au niveau de la suspension lors des qualifications, alors qu'il était premier, très loin premier. Ouais, ouais, ouais. On lui a demandé de partir dernier dans la consolation. Malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure d'aller chercher la troisième place qui lui permettait de participer à la finale. C'est quelque chose qu'on s'attendait pas. Si vous m'aviez demandé là, de gager là-dessus, j'aurais dû être fou un peu, parce qu'on le sait, David Hébert, c'est son terrain de sable. Là. Lui, Steve Bernard, du côté du RPM Speedway. Mais c'est les courses, donc
côté de l'équipe One, je pense que le lendemain, on a fait un très beau montage avec l'enfant à Simon Perrault et, et à Claudia. Donc, j'ai trouvé ça bien drôle. On va revenir en force du côté d'Autodrome Drummond. Mais, c'est la preuve que n'importe qui peut connaître une mauvaise soirée un soir donné. Vincent Bertium. Oui. Vincent Bertium, qu'on n'attendait pas, se qualifie directement à la finale. Exact. Félicitations à Vincent. T'es très rapide également lors des qualifications. 34 voitures présentes. C'est quand ce même... qui est beau des courses. Oui, souvent, c'est les mêmes qu'on voit, mais... De temps en temps, on a des belles surprises, puis Vincent Bertium, ça fait partie de ça. Alors, quelques pilotes présents. On voit justement le 0-1 de Chris Rabi qui avait fait le voyage de l'Ontario. Brianna Ladouceur et Shane Peacock, vous les voyez d'ailleurs, les pilotes qui nous ont rendu visite. On était bien contents de les voir arriver ici. Et peut-être un petit mot au sujet de Dominique Dufault qu'on devrait recevoir la semaine prochaine à l'émission. Il a été invité pour cette semaine, mais un conflit d'horaire l'empêchait de participer à l'émission. Mais Dominique en était à sa dernière sortie en carrière en modifié, lui qui prendra sa retraite au terme de la présente saison. Oui, 25 ans de carrière pour Dominique Dufault. Moi, des temps de la région de Sorel, j'ai toujours entendu parler de Dominique Dufault aux courses. Je me souviens, Toto Guillemette avait des émissions au Canal Vox, je me souviens pas c'était quoi le nom, la Sorel ou Vision dans le temps. Et il faisait des émissions justement sur les modifiés ou les sportsmen. Dominique Dufault était là, puis ça m'avait marqué parce qu'il y avait un lien de parenté de très loin, disons. Là. Mais... C'est quand on voit des pilotes de la sorte partir, on voit que le temps avance. Oui, c'est vrai. Dominique veut se consacrer là, aux courses de ses enfants. Je pense qu'il y a son frère Benoît aussi qui l'accompagne depuis les tout débuts. Je pense que Benoît est encore plus émotif que Dominique. Dominique l'était, mais Benoît, lui, je pense qu'il va aller encore aux courses. Ah oui. Fait que je serais pas surpris de voir Benoît revenir peut-être avec une autre équipe, on le sait jamais. Mais félicitations à la famille Dufault. Là, on dit que c'est pas toujours facile de trouver des commanditaires, mais c'était des fiers compétiteurs. Ah oui. Puis, toujours des très belles voitures, Dominique. On a toujours le fun de jouer avec lui. Donc, je lève mon chapeau à la famille Dufault pour 25 ans de carrière. Des amis de l'émission, semble-t-il que dans le garage des Dufault, cette semaine aux courses, là, c'est la tradition du mardi. Donc, on vous salue si jamais vous êtes à l'écoute. Également, chez les ProStock, on en parlait, la série Farnham était de passage pour l'épreuve de samedi soir au RPM Speedway. C'est Pascal Payeur qui est venu l'emporter au terme de la finale de 60 tours. Oui, on a vu au départ une très belle course entre les deux Bruno, Bruno Richard et Bruno Cirque, qui se sont battus pendant de nombreux tours. Bruno Richard a eu le meilleur. Pascal Payeur, parti 11e, très belle remontée sur un circuit qui, selon les pilotes, moi je pensais qu'on était peut-être trouvé ça rough un peu dans le haut, mais les pilotes, regardez, là, les deux voitures entrent sur le circuit qui était encore très très beau et ont adoré le circuit du RPM Speedway. Bruno Richard a terminé 2e derrière Pascal Payeur et c'est Stéphane Lebrun, la voiture numéro 6, qui a terminé 3e. Encore une fois, une finale qui s'est passée presque sans jaune après. Oui. Je pense qu'il y a eu 2-3 au jaune au début de la course, là, mais par la suite, ça s'est passé là, vraiment à vive allure. Les 60 tours ont passé très vite. Donc, lorsque les Pro Stock ont une belle piste comme ça, je pense qu'on le voit, là, ils nous offrent un spectacle de qualité. Les Mudlight étaient de passage également au RPM Speedway. Kevin Boucher-Carrier n'allait pas laisser Jeff May lui voler 2 victoires. Là, il l'a emporté de très belle façon samedi. Oui, c'était le round 2 entre Kevin Boucher-Carrier et Jeff May. Je dirais même le round 3 parce que Jeff May est venu une fois à Drummondville, mais a brisé son moteur dans les qualifications. Donc, cette fois-ci, Boucher-Carrier était très près, a dominé cette épreuve-là encore une fois. Boucher-Carrier, comme on le voit depuis le début de la saison, très belle victoire. Mais faut parler de P.O. Trudel qui est parti. Un peu plus loin, mais quand même s'est placé assez rapidement aux avant-postes et a mené de nombreux tours. On le sait, P.O. Trudel, il a tellement eu de problèmes mécaniques, toujours brisé, il arrive tout le temps quelque chose, tu sais, quand on n'est pas chanceux aux courses. Et là, enfin, la gang semble avoir lâché P.O. Trudel, a mené de nombreux tours et a été capable d'aller chercher une belle 2e place. Je pense que tu l'as eu en entrevue, Anthony, sur la piste. Il était complètement au bout de ses forces. Oui, il était vidé, puis son langage le disait, là, il n'y a eu aucune retenue. Là, il ne pensait pas à ses mots, puis ça venait vraiment du fond du cœur. Belle 2e place pour P.O. Trudel, et Jeff May a terminé 3e. Et du côté des Lightning Sprint, on était présents également à Saint-Marcel, eux qui sont réguliers à tous les samedis d'action au RPM Speedway. Et Alex Thérien, 2-2 cette année, à bord de la voiture 21 de Michel Audi. Alex Thérien, on a vu Tommy Moreau prendre les devants de l'épreuve. Alex Thérien est venu chercher sur une relance. C'était un peu plus difficile pour Moreau. Il a semblé manquer là, son embrayage. Et Thérien en a profité. Mais Thérien était tout simplement intouchable. Très rapide au RPM Speedway dans la voiture 21. Il a devancé le vétéran Eric Sundberg. Et c'est Moreau qui a terminé 3e.
On le voit d'ailleurs, ouais. Le départ, là, Moreau a eu de la difficulté, aura dû remonter le peloton, remonter quelques positions pour terminer en troisième position, justement. J'aimerais ça voir à l'extérieur contre Jordan Poirier ou RPM Speedway, ça serait excellent. Mais vraiment, là, ça a été parfait du côté de l'extérieur, du côté du RPM cette année. Deux victoires en autant de sorties. On a vu trois capotages côté des Lightning Sprint, donc on souhaite prompt rétablissement à Marc Ely et à Raphaël Nederer, que tous les deux... Ouais, les deux se sont fait mal, hein? Les deux se sont fait mal dans les capotages. Également, Mike Gaucher qui a frappé le mur assez solidement dans la 1 et la 2. Donc, la piste était quand même rough et très collante. On voyait les voitures lever là, sur deux roues, mais quand même, là, c'est incroyable la vitesse que ces petits bolides-là sont capables d'atteindre. Encore une fois, ça a été très impressionnant samedi soir. Et sur le petit circuit, tu parles justement de la colle sur le grand circuit. C'était la même chose sur le petit circuit pour les slingshots. Oui, le petit circuit actuellement qui est très glissant, mais là, c'était super collant. On n'a pas vu beaucoup de dépassements justement pour ça. C'est au niveau des championnats. Je les ai ici. Ça sera pas long. Ben, en senior, c'est sûr que c'est Jeff Beaumier. C'est Jeff Beaumier qui a été chercher le championnat devant Johanno, la recrue de l'année. Ouais. Et au niveau du slingshot junior, ben, c'est Jacob Nadeau qui a gagné le championnat et la recrue de la saison. Là, je me mets là avec la Granby, je cherchais mes notes. Mais vraiment une très belle course. C'est Samuel Saint-Hilaire qui a gagné la course en junior, puis Jeff Beaumier qui l'a remporté en senior. Mais c'était très collant, difficile à dépasser. On a eu des malchances avec le 27 de Loïc Messier, mais quand même, une très belle course encore une fois pour les slingshots. Excellent. Maintenant, Saint-Guillaume, Super Speedway, on présentait, ben, c'était le retour du Race Rock, la tradition automnale présentée à Saint-Guillaume. Habituellement, ça, c'est en octobre que ça se passe à Saint-Guillaume, mais là, on a devancé un petit peu l'événement, puis tant mieux, parce qu'on a eu deux beaux soirs de compétition, d'abord avec, entre autres, certaines qualifications qui avaient lieu le samedi, et le lendemain, avec les grandes finales. Les modifiés étaient d'ailleurs présents pour le soir de dimanche. C'est Mickaël Parent qui est venu l'emporter en modifié. Oui, une course de 40 tours faite complètement sur le vert. Mickaël Parent a été chercher la première position en toute fin de course, a dépassé Alain Terrien pour aller chercher la victoire devant Terrien et Steve Bernier. Au niveau des sportsmen, c'est William Racine qui a été chercher la victoire devant Samuel Charland, qui est parti 24e pour terminer 2e. Très belle, puis c'est Michel Dussault qui a terminé 3e. Au niveau du championnat sportsman, c'est Patrick Picotin qui a été champion. Au niveau des modifiés, évidemment, on n'avait pas de championnat. Le samedi soir, on avait des courses au niveau des STR. C'est Carl Labonté qui a été chercher la victoire. En Sprint Car Crate, c'est Jeffrey Ware qui a gagné la course. Carl Letang a gagné le Dash. Puis Dominique Blais a gagné la course mini-stock et a répété le lendemain pour devenir champion de la classe mini-stock. En semi-pro, c'est Yves Marcoux qui est champion. Il a gagné la course également. Et en pro-stock 2.0, c'est une victoire de Martin Livernoche devant Fernand Lheureux. Puis Fernand Lheureux a été déclaré champion. Fernand Lheureux qui a mis sa voiture à vendre. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? OK. Bien hâte de voir ça. Mais ça a été un bon spectacle. Et puis le slingshot également. Claudie Lisotte a gagné en slingshot. Et la championne, mais c'était Daphné Hébert qui était dans la deuxième voiture de Pierre Desrosiers pour l'événement. Donc, un bel événement du côté du Super Speedway de Saint-Guillaume. Vous avez même rajouté les collants du One sur la voiture de Daphné pour l'occasion. Salutations à l'ami Joël Brûlé pour sa première saison à titre de promoteur. On dit, moi, évidemment, j'étais pas présent, là, mais notre équipe de course là, qui était là, Kevin Lusignan, également que Marie-Pierre René qui était sur place dimanche. Beaucoup de gens dans les gradins, même que le stationnement débordait. Donc, tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On a passé une belle soirée du côté de Saint-Guillaume, avec bon support de la part des différentes catégories. Que vous aimez l'autodrome Granby, le RPM Speedway, le Saint-Guillaume Super Speedway, l'autodrome East Broughton, n'importe qui, on veut que toutes les pistes de course soient en santé. Je pense que c'est ça l'important. Puis on le voit en fin de semaine. Je pense qu'il y avait du monde partout. Peut-être un peu moins à Granby vendredi, mais du côté du RPM, ça a été une très, très bonne foule. Tommy, merci pour le bloc d'ouverture. On va faire une première pause dans l'émission. Et au retour, Dominique Lucier s'installe pour son petit bilan de fin de saison à cette semaine aux courses. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec.
Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic. Garage P. Auclair. Remorquage du plateau. DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 Principal à Saint-Dominique. De retour à cette semaine aux courses diffusées en direct de nos locaux chez Drivers Performance dans le centre nerveux de Dominique Lucier. Salut Doom! Anthony, ça va bien? T'as l'air fatigué? Ben non, c'était une idée que tu te fais. depuis qu'on s'est installé en fin d'après-midi, Doom dit là, t'es un peu fatigué à soir les gars. La saison est finie Doom, puis là la pression descend un peu. Effectivement, ça fait du bien. C'est tout le temps le fun d'être aux courses, tout le temps le fun d'organiser tout ça. Ça vient que son lot de tracas. Cette année particulièrement, là, c'est sûr que les deux dernières années, ça a été plus soufflant avec tout ce que la COVID a amené. Fait que j'étais content en fin de semaine que ça se finisse. J'avais quand même un petit pincement parce que quand on est aux courses, qu'on est avec du monde, que c'est le fun d'être, que c'est plein de monde, qu'il y a beaucoup d'autos, c'est quand même ça l'objectif de notre travail. Fait que petit pincement finissant, mais oui, content de pouvoir me reposer un peu. T'as parfaitement raison. Je sais pas cette année, mais je suis comme pas rassasié de ma saison. Puis quand je descendais les escaliers à Grand Bay, je me disais, ouais, déjà fini. Tu sais, c'est déjà fini. Puis on a du beau temps quand même au mois de septembre. Je regarde là, le beau temps attendu pour cette semaine, le week-end prochain. Là, c'est Yann qui va présenter les courses samedi, mais il annonce 26 degrés samedi. Clairement, le mois de septembre est plus beau qu'à tes débuts comme promoteur, Doom. Ah oui, vraiment. Tu sais, des fois, tu frappes la pluie, mais des fois, tu peux frapper sur des méchantes belles fins de semaine de beau temps. C'est quand même dur à prévoir, à planifier tout ça. La météo, on en jasait tantôt avant l'émission. T'sais, on a quand même réussi à faire, je pense, c'est 16 courses cette année. Puis, il y a des années de calendrier plein qu'avec les pluies, on avait fait juste 9-10. On a été chanceux que la météo cette année. Je vois l'automne arriver, puis oui, il annonce beau. Ça aussi, c'est un autre petit pincement. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Je voyais le passeport vaccinal arriver dans l'équation. Yann a été malchanceux avec pas beaucoup de courses. Ben pas de courses en juin, je crois. Puis au mois d'août, avec le Grand Prix Trois-Rivières, moins aussi. Fait que, tu sais, c'est correct. On va essayer d'en profiter, d'aller aux courses, soit avec Jean-François, avec Dono, puis de profiter de ça comme loisir et non comme travail, puis de commencer le plus tôt possible à préparer la saison 2022. Être promoteur de course, ça vient avec ses obstacles en cours de route, mais je pense que depuis 2 ans, il y a pas mal d'obstacles. Ouais, vraiment. C'est pas juste de gérer la petite semaine, les querelles dans les pluies, puis les décisions qui sont prises, entre autres à la direction de course, quoi que ce soit. Là, il y avait des choses qui étaient pas mal hors de votre contrôle encore cette année. Ouais, absolument, puis ça l'a changé toute l'année, tu sais. Fait que ça a été difficile, puis je suis vraiment, vraiment choyé avec Charles-Olivier, qui fait, je pense, c'est sa 4e ou 5e saison avec moi. Ben là, tu sais, le balancier a changé de bord. T'sais, au début, je faisais 80% de l'ouvrage puis m'accompagnais dans 20% de tout ça. Aujourd'hui, je suis obligé de dire que c'est l'inverse. T'sais, Charles-Olivier, c'est lui qui est en charge de toute la logistique puis tout ça. Moi, je suis là pour pousser les idées, être capable de prendre les grandes décisions. Je m'occupe encore beaucoup de tout ce qui se passe dans les puits, les pilotes, etc. J'ai à parler à Steve souvent, mais j'ai vraiment de la bonne aide. Fait que ça l'a aidé à passer au travail tout ça. C'est sûr que les normes de la COVID et la distanciation qui ont changé à toutes les semaines, ça nous a donné notre lot de tracas, puis surtout d'inquiétude ou d'incertitude. T'sais, quand tu ne sais jamais ce qui t'attend, c'est dur à un moment donné de te concentrer à faire évoluer l'entreprise, les courses, etc. Fait que oui, ça a eu son lot de tracas cette année, puis l'élastique de la patience un petit peu plus court dans mon cas, puis tout ça. Fait que c'est une année remplie de défis. Ça coïncide aussi, Dominique, avec de nombreux investissements sur vos deux circuits de course, que ce soit Grand Bay
et le RPM. Je faisais la nomenclature du nombre de soirées de course qu'on a fait depuis vos investissements à Saint-Marcel en fin de semaine. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ouais. On n'a pas coursé à Saint-Marcel depuis les nouvelles estrades, nos nouvelles installations. Puis Dieu sait qu'on est bien, pas à peu près pour faire nos jobs à Saint-Marcel. C'est extraordinaire comme site de course. Mais crime, la météo d'abord la première année, puis là, ben, la COVID depuis 2 ans. Pas facile comme promoteur, t'investis puis tu peux même pas en bénéficier. Ouais, puis je pense que c'est plate pour les gens aussi. Comme je dis, on a une belle place, t'sais, c'est le fun, c'est festif au RPM. C'est un petit peu plus petit, c'est souvent sale comble quand on fait des courses. Puis la première année, on avait fini nos rénaux en retard. En réalité, on avait parti l'année tardivement. Il y avait eu de la mauvaise météo. Je me rappelle pas combien de courses, mais je pense que c'est 4 courses où tu te souviens. Ben moi, je l'ai fait 3 en tout cas. Fait que c'est probablement 3 courses. C'est 3 courses, c'est pas mal 3. Une l'année passée, 2 cette année. Fait que non, c'est... Le calcul est assez moyen. Ouais, il va falloir relancer ça l'année prochaine. Le cadre de se planifier une belle été, ça c'est sûr. Partie de nos plans. Grimby, ça a été quand même des bonnes enfarges aussi cette année avec les estrades. Puis là, on a plein de choses. On a commencé, bon, le chemin qu'on a commencé à faire. C'est sûr qu'on veut garder l'intérêt des gens. On essaie d'innover, de faire plein de nouvelles choses. Ouais. On a le carnet de travail assez rempli pour finir l'automne avec Régis, Jean-François, Yves, Richard qui sont là-bas à temps plein encore, là, puis qui vont être là jusqu'à temps qu'on soit plus capable de travailler dehors. Fait que c'est ça. Fait qu'on va essayer de mettre ça à jour, mais ça fait des saisons dures en Titi avec 2 grosses opérations comme ça pour le petit peu de course qu'on a fait. Souhaitons qu'évidemment, on puisse revenir à la normalité 2022, mais moi, je pensais que ce serait normal cette année, mais faut croire que c'était pas encore le cas. L'expression anglaise « expect the unexpected », mais c'est un peu ça en vue de la saison prochaine aussi. 2 gros sujets de parler, Dom, absolument. C'est 2 sujets qui vont assurément intéresser les gens. 2 sujets marquants de la saison. D'abord, je vais te parler des gros blocs. La série canadienne qui a été un franc succès, d'abord du côté de Grand Bay, vous n'avez pas été capable de présenter la soirée qui était initialement prévue au mois de juillet. Vous l'avez reportée à la fin août et ma foi, vendredi soir, des estrades garnies à capacité. Ça a été un très beau succès du côté de Drummond, même chose du côté de Cornwall. Série canadienne sans Américains, un prix à la porte un peu plus bas, mais des estrades bien pleines pour les gros blocs. Qu'est-ce que ça te fait réfléchir, ça, Doom? Ben, c'est sûr que c'est un le projet de la série canadienne. Des fois, on a eu, c'était un sujet d'actualité l'hiver passé, mais en réalité, tu sais, je me rappelle des meetings de 2017 chez Dirt Car qu'on a essayé d'implanter ça, puis de dire, il commence à avoir plus d'auto disponibles, puis tout ça. Puis bon, on n'avait pas réussi à convaincre Dirt de mettre ça dans, tu sais, que le gars qui gagne ça ait un aigle, puis que ça soit officialisé. Finalement, pour le dossier est tombé un petit peu de côté. Quand on a vu qu'on n'avait pas nos gros blocs, la série américaine, la série Dirt, pour nos dates de juillet, on s'est dit, bon, mais OK, on se lance, puis on va essayer de faire quelque chose de canadien, de local, avec nos dates. Puis j'étais quand même nerveux. Je savais que ça pourrait être une bonne soirée, mais jusqu'à quel point le monde était pour répondre, puis tout ça. Écoute, j'étais vraiment super, super content. Premièrement, de voir la quantité d'autos se présenter. Bon, dans le cas, on a été malchanceux, on a reporté notre date, mais tu sais, il y avait quand même beaucoup d'autos à notre course du mois d'août. Ça a été des bonnes courses, on a eu une bataille de titans qui a été super intéressante à regarder. Bon, il y avait des circonstances qui nous aidaient, tu sais, c'était le dernier week-end avant le... Tu sais, on arrivait en fin de saison puis tout ça, mais non, super content. On a eu des belles estrades, je vais le dire, ça l'a sauvé la saison. Tu sais, on était capable de bien s'en sortir avec ça, puis ça va nous obliger à réfléchir pour la prochaine année. J'en ai déjà discuté avec Yann, on a échangé sur ce sujet-là. Il y a de quoi à gratter et à travailler avec les gars du Québec et de l'Ontario. Parce que tu n'as pas le choix d'évaluer la possibilité que l'année prochaine, ça soit compliqué d'amener la série Dirt Car. Parce que, je veux dire, avec la vaccination qui est obligatoire, on voit ça venir. Moi, sérieux, dans 10 mois d'ici, quand on va être rendu en juillet prochain, pas sûr que ça va déborder aux portes. Déjà que c'était compliqué de traverser les douanes en temps normal, on s'imagine bien, avec la vaccination. Maintenant, on fait quoi? Parce qu'il y a une demande qui est très, très forte pour voir des gros blocs. Mais je pense encore, oui, je pense encore que ça se doit de rester des événements. Oui. Quand c'est un happening comme qu'on a organisé, si tu une fois par piste, si tu deux fois par piste, il faut que ça soit un nombre de fois limité. L'équation de la douane, du passeport vaccinal nous stresse avec les Américains. Est-ce qu'on va être dans la même situation, à être intéressant pour eux autres à les faire revenir ici? Discussion qu'on aura à avoir dans un avenir approché. Mais il va falloir penser à tous ces plans-là pour être capable d'être organisé. Puis on le sait qu'on a une belle solution avec la série canadienne de gros blocs.
Intéressant. Maintenant, le Grand Prix de Trois-Rivières. Tout le monde veut y retourner et ceux qui y étaient, c'est sûr qu'ils reviennent. Puis j'en connais plusieurs qui n'y étaient pas et qui veulent venir. Ouais. On fait quoi pour l'an prochain? Parce que là, si on en arrive à 50 voitures, on va peut-être avoir trop de voitures. Ouais. Mais en même temps, tu veux contenter ceux qui sont venus la première fois. Mais plus ça avance, plus les gens, si on pouvait avoir un autre Grand Prix de Trois-Rivières la semaine prochaine, pour moi, tout le monde serait là. Ouais, on a un beau projet dans les mains. Je suis vraiment content. On en a parlé un petit peu dans l'autre émission que je suis venu. Faites ce projet-là un petit peu à contre-courant. Je vois des images justement à télé. Là, c'est des super beaux souvenirs. On a eu vraiment un beau week-end. On a réussi à avoir 27 autos là-bas. J'ai été stressé jusqu'à la dernière minute d'organiser tout ça. Je voulais pas que ça soit un flop, que les gens soient pas contents, qu'on donne un mauvais spectacle à la télé. Je pense que tout ça a été au rendez-vous. Là, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis je l'avais dit d'entrée de jeu quand on a commencé à travailler dans ce projet-là. Mon objectif, c'est de nous faire voir, d'aller shiner où est-ce que les médias sont. Puis après ça, d'essayer de rapporter tout ça sur la terre battue. Ça a déjà commencé. On a eu de la couverture médiatique non habituelle à nos courses de terre battue là, dans la dernière portion de l'année. Puis ceux qui étaient au RPM samedi, Dominique Fugère est venu passer la soirée dans mon container VIP. Puis on a pris le temps d'un petit peu, encore une fois, parce qu'on se parle souvent, de débriefer de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Puis de tranquillement, pas vite, mettre nos plans de ce qui pourrait être la saison, l'édition de 2022. Il y a de très, très, très fortes chances. Il n'y a rien d'officialisé encore parce que, bon, ça prend encore du support financier puis on a beaucoup d'idées à mettre en marche. Mais le projet que je regarde actuellement, vraiment de faire une série de préqualifications en sportsman et en modifié, indépendantes l'une de l'autre, probablement quelque chose va ressembler à 4 courses, une course par piste, exemple Grimby, Drummond, RPM, probablement Cornwall pour être capable d'intéresser des majeurs avec un bassin, un territoire plus grand. Qui serait un petit peu la porte d'entrée pour être capable d'aller au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis d'avoir, là, on a eu des bonnes discussions avec Dominique à dire, OK, est-ce qu'on est capable d'avoir notre finale le dimanche? Est-ce que si on a beaucoup d'autos, il y aura deux finales? Une finale, tu sais, que ça serait vraiment deux courses distinctes. Une pour les gens qui vont s'être qualifiés à l'avant-plan, l'autre pour les gens qui n'auront pas été capables de le faire, mais qui vont quand même avoir leur vraie course à eux autres, puis tout ça. Fait que ça va nous permettre d'amener la télé à nos autodromes, d'amener peut-être des nouveaux pilotes à être intéressés à participer, à venir à des courses de terre, que ce soit 4 courses, pour être capable d'avoir leur laissez-passer pour venir courir avec nous à Trois-Rivières. Fait que beaucoup de bonnes idées là-dedans, beaucoup de belles choses, beaucoup de temps à mettre pour rendre ça réalisable, si ouais. Je vais être capable d'avoir une série avec des bourses intéressantes, être capable de faire diffuser ça à la télé, d'avoir un écosystème de ça qui fonctionne, mais je suis convaincu qu'on va être capable d'attacher tous les éléments pour avoir une belle réussite là-dedans. Je t'entends au sujet de la possibilité de présenter ça le dimanche. Moi, j'ai un petit bémol envers ça. Si tu me dis, on va être la classe principale le dimanche, j'ai un autre discours. Mais le dimanche, il s'est identifié à la série Pintis, qui est la classe principale depuis longtemps. Je préférais probablement rouler le samedi, puis être l'Atlas frontispice du samedi, attirer des gens pour le défi urbain Chevrolet, faire le party après, il me semble que ce serait apprécié par tout le monde. On a eu un bon papier par. Ouais, mais c'est sûr, on pourra pas faire de party si on course le dimanche matin, tu comprends? Bon point. Je vais continuer. Réfléchis à ça. Parce qu'on a eu du fun. mais la question se pose parce que si tu présentes ça le samedi, ben t'as la chance de terminer et d'avoir un peu plus de temps aussi pour présenter ta finale. Ouais. Si on se retrouve le dimanche, on a un autre scénario. Il y a plein de réflexions. Je pense qu'il y a du pour du contre sur les deux côtés. Ouais. Puis oui, ça donne des avantages d'être là le samedi. Le dimanche, quand même, la journée prime time. Fait que, on a à peser tout ça, à écouter les gens qui vont investir dans cet événement-là. Qu'est-ce qu'eux autres veulent de ça? Naturellement, il va falloir qu'on fasse ça. Il va y en avoir des rencontres bientôt. Il va falloir que je me restise avec les gens qui m'ont aidé à faire ça au début. J'ai des discussions à voir avec Yann, avec Jean-Claude Payet, avec Dominique Fugère, avec les gens de GM. Fait que là, on va mettre tout ça en marche pour être capable de faire en sorte que ça fonctionne. Mais ouais, moi, je vais y retourner. Tout le monde va y retourner. On a tous bien trippé. Puis... moi, mon père me disait, ça me fait penser à dans le temps quand j'allais à Syracuse. Ah, ouais. Parce que, je veux dire, les pilotes étaient tous stationnés côte à côte. Il y a eu une entraide que j'ai rarement vue aux courses. Il y a des gens de certaines équipes qui ont aidé une autre équipe sans nécessairement se connaître. Depuis, ils sont devenus des amis.
Sérieux, pour juste pour ça, ça valait vraiment la peine de s'impliquer dans le dossier. Puis tant mieux si t'es déjà pratiquement en train de confirmer qu'on va y retourner l'an prochain. Ah ouais, je peux pas le confirmer, mais tu sais, les discussions qui ont à avoir à être faites sont faites actuellement. Puis je veux me dépêcher puis essayer d'être capable de confirmer ça le plus vite possible qu'on va être de retour l'année prochaine avec beaucoup plus de temps. On a préparé ça en 5 semaines. Ouais. C'est pas fini. Tantôt, Anthony, tu m'as agacé parce qu'on a des pneus neufs dans l'atelier. Puis tout le monde dit « Tabarouette, il n'y a pas ça nulle part ». Mais dans le fond, c'est les sets de pneus avec le compound dur qu'on a utilisé à Trois-Rivières qui nous restait à finir de dépacter puis de déjanter de ces roues qui servaient là, pour les crevaisons puis tout ça. Fait qu'on n'a pas encore fini de ramasser nos affaires de Trois-Rivières. Bon, si jamais manque de pluie, il reste des heures. Si vous voulez les utiliser, on vous souhaite bonne chance avec ça. Ouais. Dom, merci bien gros. Je sais que t'es bien fatigué, mais écoute, félicitations pour cette saison-là. Vraiment, merci de nous avoir accueillis aussi dans vos quartiers généraux ici chez Driver. Mais c'est le fun. Il y a vraiment une rotation. Les gens viennent ici le mardi. On a du plaisir. Je sais que Mickaël Parent est là. On jase business. Donc, c'est un peu ça. C'est ça que ça sert. Ah ouais, non, c'est une belle fin de saison. Merci à vous autres de participer à tout ça. Je pense que le mandat que vous avez pris de parler de la terre battue puis de mettre nos pilotes à l'avant-plan, les autodromes à l'avant-plan, vous avez réussi à faire ça. Vous êtes une bonne gang. Merci à tout mon monde d'autodromes aussi. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Le dernier week-end s'est passé vite. J'ai vraiment une super équipe. On est une centaine de personnes là, à travailler dans les organisations de l'autodrome, de près, de loin, puis tout ça. Un petit peu de tous vous autres qui est là-dedans dans le succès de tout ça. Fait que merci. Dom, un gros merci. Puis, si tu veux rester pas loin, on reçoit Raymond Lavergne juste au retour de cette courte pause. Parce qu'il n'y aura pas de Super Dirt Week. Fait qu'il faut trouver un moyen de faire un gros événement. Et le gros événement de l'automne, c'est à Cornwall, alors qu'on va présenter le Fall Showdown Weekend. Et Raymond Lavergne du Cornwall Motor Speedway va être avec nous dans quelques instants. Ce segment est propulsé par le Grand Prix de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, boulevard Lemire, à Drummondville, ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la deuxième édition du Cornwall Fall Showdown Weekend, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. Trois journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358, St. Lawrence Radiology et Sportsman GoPro Transport, en plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, des classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock, Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservations et informations, consultez le cornwallspeedway.com. De retour à cette semaine aux courses, on vient justement de vous présenter la publicité pour le Cornwall Motor Speedway et le Fall National qui aura lieu justement le week-end de l'Action de grâce 8, 9 et 10 octobre prochain. On est très heureux de se déplacer là-bas pour
l'événement du Cornwall Motor Speedway, les gars de course qui seront sur place. On est très, très heureux d'y être, d'ailleurs, et de recevoir ce soir à l'émission pour nous en parler. Il est le propriétaire, le promoteur du Cornwall Motor Speedway, Raymond Lavergne. Salut Raymond, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, très bien. Bien heureux de te recevoir à l'émission pour la deuxième fois, Raymond. Comment s'est passée votre saison? Ben, ça s'est aussi terminé la semaine dernière. Là, je sais qu'un enduro s'en vient. Chez vous, c'est un événement qui est toujours très couru à Cornwall, mais il y aura par la suite ce gros événement du mois d'octobre. Mais si tu avais à résumer ta saison, comment tu le résumerais? Oui, je pense avec, on a commencé, on a manqué 4 semaines au début de l'année, puis 3 semaines. En général, c'est correct avec les restrictions de la province, puis le bureau de santé local, puis on a travaillé, on a su naviguer dans tout ça, puis on a eu le support des équipes, ça fait que, écoute, c'est correct, mais nous autres, c'est notre fin d'année qui va faire la différence en comment une très bonne année, une année normale. Le projet du Fall Showdown, Raymond, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais dans le collimateur depuis longtemps, toi et toute ton équipe, de, dans quelque sorte, pas vouloir jouer dans les plates-bandes de Oswego, mais dans un sens, réussir à créer un événement canadien pour les jeunes chez nous qui sont pas capables de traverser l'autre bord? Ben, c'est sûr qu'on y pensait, puis c'est comment qu'on va être affecté. Un coup, j'ai été, je sais pas là, quelle semaine, j'ai monté au Québec, aux courses à Granby. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'équipes. On a communiqué avec les autres, là, on a demandé c'est quoi vos intentions, si les lignes ouvrent. Puis c'est là que j'ai pu voir qu'il n'y avait pas grandes équipes du Québec qui voulaient aller à Oswego avec des... Tu sais, ça va être à la dernière minute. S'ils décident d'ouvrir les lignes, là, on va le savoir la semaine prochaine. Ça fait que les équipes n'étaient pas prêtes à attendre la dernière minute. Ça fait que je pense qu'on va avoir pas mal le support de toutes les équipes. Je regarde justement là, les différentes publicités de chacun des soirs de course. Vraiment, là, une structure vendredi, samedi, dimanche. Entre autres, chez les modifiés, Raymond, on va aller s'installer là-bas. Pour le week-end, il y aura des épreuves finales à chacune des soirées. Pour le point culminant, une finale de 125 tours le dimanche soir avec une bourse très appréciable pour le gagnant. Donc, le but, finalement, c'est que les pilotes se déplacent chez vous, s'installent pour le week-end, puis aient beaucoup de plaisir, évidemment. Bah, c'est sûr. L'an passé, on a pu voir l'expérience. Écoute, je pense qu'on était chanceux pour notre première fois qu'on a fait ça. La température était sur notre bord. Là. Il faisait à peu près 18-20 pour au mois d'octobre, ce qui est excellent. Mais là, on a une grosse, grosse demande de roulotte en ce moment. On a juste sorti... la cédule aujourd'hui, ça fait que ça sera pas facile à gérer parce que je peux pas gérer mettre 300 roulottes sur mon emplacement. Là, j'essaie de convaincre des voisins puis travailler avec tout le monde alentour de moi pour être capable de mettre soit des autos pour les stationner, ben non, des roulottes, là, je sais pas, c'est n'importe quoi, on est ouvert à tout. Ben, l'idée est super bonne, effectivement, de présenter 3 soirs de course comme ça, un gros événement. D'aussi loin que je puisse me souvenir, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu du côté de Cornwall et vous avez, somme toute, un site assez petit pour les roulottes. Est-ce que y a possibilité, par exemple, de stationner certaines personnes, assurer un service de navette, par exemple, amener les gens par des autobus, des anneaux circuits ou c'est trop compliqué? C'est ça qu'on étudie. Pour les navettes, ça, il n'y a pas de problème. J'ai un ami qui a beaucoup d'autobus, ça, c'est pas un problème. C'est plus d'avoir le terrain qu'on travaille en ce moment. Mon calcul d'être capable de à peu près recevoir 175 roulottes à 200 sur notre terrain stationné, là, tu sais, assez de nos spectateurs réguliers qui viennent localement, là. OK, bien, intéressant, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des gens du Québec, surtout ceux qui ont l'habitude de se déplacer du côté de Oswego. Ils vont se chercher quelque chose à faire à la fin de semaine de l'Action de grâce, de toute façon. Et tant mieux si c'est du côté de Cornwall que ça va se passer. Une question qui est très évidente, Raymond, je sais qu'elle est bien plate à poser, là, mais le fameux passeport vaccinal, ça va arriver chez vous en Ontario le 22 septembre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'embête un peu comme promoteur? Non, pas du tout, Anthony. Je pense que je suis fier de le dire. On ne veut pas le crier sur les toits, mais on a eu la nouvelle après-midi que
on n'aura pas besoin de demander le passeport vaccinal pour nos événements. C'est un événement qui va être à l'extérieur, puis la province fait des nouvelles annonces cet après-midi. Puis nous autres, on va être dans ça. C'est le monde qui va être à la barre, ça va prendre le vaccin. Puis le monde qui va rentrer dans les loges, ça prend le vaccin. Mais tout le monde ici dans nos estrades ou dans le pit, n'auront pas besoin de nous montrer le passeport vaccinal. Ce qui est, c'est excellent. Ben, très bonne nouvelle. Pour les courses, je pense que il n'y a pas personne qui va chialer là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ceux qui n'ont pas leur vaccin ben, pourront y aller. Ceux qui ont le vaccin vont y aller pareil. Puis je suis convaincu que tout ce que ces gens-là veulent, c'est que l'événement, en quelque sorte, soit couronné de succès. On a bien hâte. Merci, Raymond, d'appuyer les gars de course. On sera présents, ça c'est sûr et certain, pour couvrir tout l'événement. Donc, vous le voyez maintenant à l'écran, 8, 9 et 10 octobre, vous avez vu justement les différents horaires de l'événement avec les différentes finales qui vont être présentées à chacun des soirs. Et nos partenaires pour l'occasion seront Remorquage du Plateau et Remec ainsi que le Cornwall Motor Speedway. Alors, toute l'équipe des gars de course, on se déplace à Cornwall. L'hôtel est réservé, Raymond. On s'en vient chez vous et on va avoir du fun pas à peu près. C'est beau, on va être fiers de vous accueillir le mieux qu'on peut. Puis, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Bon, ben vous avez vraiment ce que vous cherchez à faire maintenant. Il n'y a plus de contraintes, pas du tout. Là. Vous cherchez quelque chose à faire à l'Action de Grâce, direction Cornwall Motor Speedway. Toute la famille Lavergne est là, toute l'équipe. On est bien heureux de se déplacer là-bas. Merci Raymond Lavergne, on se reparle bientôt. Merci. Je ne sais pas votre bon job. Merci, bye-bye. Raymond Lavergne, le promoteur, propriétaire du Cornwall Motor Speedway. Ça promet. Je remarque les partenaires qui, justement, se sont rajoutés pour les bourses, etc. Je pense que ça sera tout un événement à ne pas manquer lors du week-end de l'Action de Grâce. On fait une pause et au retour, s'installe dans notre studio Michael Parent qui vient de remporter une grosse victoire à Saint-Guillaume dimanche. Troisième dans le programme de samedi RPM Speedway. Qu'on a une excellente fin de saison avec le 25P. De plein de nouvelles. Le voilà juste en arrière. On y parle au retour. Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la deuxième édition du Cornwall Fall Show dans le week-end, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. Trois journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358, St. Lawrence Radiology et Sportsman Govro Transport. En plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, des classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock, Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservations et informations, consultez le cornwallspeedway.com. En direct de chez Lucien Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Vestidrac Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrac Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silver Wax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrac.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. De retour à cette semaine aux courses dans notre studio. On reçoit pour la première fois Michael Parent. Comment ça va, Michael? Ben, ça va super bien, toi? Très bien. Content de te recevoir. Souvent, on invite des invités quand ça va bien. Fait que ces gens-là sont de bonne humeur d'habitude. Gros week-end, troisième à Saint-Marcel, puis une victoire le lendemain à Saint-Guillaume. Ouais, écoute, on a eu un super week-end. Les gars travaillent fort, donc on réussit à améliorer l'auto, puis on a fait quelques petits changements là, dans ces derniers temps, donc on est super content du résultat. Tu dis quelques petits changements, tant qu'à moi c'est un gros changement. Passer du Théo au Bicknell, ça a fait beaucoup réagir dans les puits. T'as l'air à l'aise, ça va bien jusqu'à maintenant, le changement. Ouais, c'est sûr qu'on connaît des bons week-ends, donc on peut pas dire que le Bicknell va mal.
Cependant, on a assez travaillé fort sur les voitures Théo, puis on a vraiment persisté à essayer d'avoir des résultats qu'on voulait, mais on n'avait pas de constance, donc on a essayé quelque chose de différent, puis là, ça semble fonctionner. Quand tu travailles sur un projet de développement, parce que c'est vraiment ce que vous faites avec toute l'équipe du 25P Groupe Ultra, on travaille vraiment en développement au niveau de la voiture. On tente d'aller chercher le meilleur du bolide. On prend des notes de semaine en semaine, d'année en année. Mais à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que peut-être on était rendu à la croisée des chemins de dire est-ce qu'on persévère ou on tente de tout simplement écrire un nouveau livre? Ouais, peut-être un petit peu. Écoute, j'étais rendu quand même proche, vraiment proche de Matern, puis le fabricant Théo. Donc, on s'est fait comme un, si tu veux, un lien d'amitié là. C'est difficile de couper les ponts puis de dire écoute, on s'en va dans une autre direction. Ça a été difficile parce que je suis pas quelqu'un non plus qui va blâmer tout l'équipement. J'aime aussi me blâmer moi pour les résultats. Donc semaine après semaine, je me disais j'aurais pu faire des choses différentes. J'aurais pu essayer d'autres choses. J'ai fait tout ça de pas correct dans ma conduite. Mais là, je pense qu'on était rendu à avoir un gros changement. Donc le Bicknell est arrivé et là, c'est une décision qui est irrévocable, Michael, rendu ici, là, à ce point-ci, dans ce dossier-là. T'essaies la voiture, est-ce que tu te commets déjà pour l'an prochain de rouler en Bicknell l'an prochain? Non, on est encore, je pense, on a encore quelques petites affaires assises avec l'auto de Théo. Par contre, c'est sûr que là, présentement, notre tête est toute à l'auto Bicknell, donc on se concentre fort pour gagner les grosses courses là, qu'il y a à la fin de saison, ou ce qu'il y a de l'argent en ligne aussi, pour nous permettre d'améliorer l'équipement l'année prochaine. Donc, oui, les efforts sont là pour l'instant. Pas de cachette, tu connais ma relation avec Martin Roy Junior, que sans lui, il n'y a pas d'Anthony Marcotte aux courses. L'histoire, je l'ai racontée à plusieurs reprises. Mais Martin a été le porte-étendard de Théo Procar pendant de nombreuses années, puis il demeure très actif pour la promotion de ces voitures-là. Je pense qu'il vous a embarqué pas mal dans le moule aussi au cours des années. Pour moi, c'est assez spécial de dire, est-ce que là, présentement, on assiste à l'éclipse du Théo Procar, du Troyer également, qui est en train de disparaître. Mais sérieusement, si Bicknell prend tout le marché, je comprends pourquoi, c'est une compagnie canadienne, puis tant mieux, ça va bien. Mais je ne sais pas si c'est bon, ça, pour les courses, de dire, là, il y a un monopole qui est en train de s'installer. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça qu'on aimait le fait là, qu'on n'était pas plusieurs coureurs à être sur les voitures Théo Procar. Donc, on persistait vraiment. Et puis, on ne sait pas, là, quand t'as le monopole de quelque chose, habituellement, les prix montent, tout s'en suit. Donc, non, je pense pas que c'est vrai, c'est bon pour le sport du tout. Mais l'avenir va nous dire. Justement, sujet, au cours des dernières années, quand les gens se posaient des questions sur les Théo, souvent, ils t'appelaient dorénavant. Tu parlais du lien que tu possèdes avec Matt Earn. Sans vouloir rentrer dans les détails sur la... votre relation actuelle et tout ça, mais j'imagine de savoir que c'est un Bicknell, ça a dû passer de travers parce que là, c'est clairement un gros territoire qui s'envole. Je veux dire, ils s'achètent des voitures modifiées ici depuis de nombreuses années, puis c'est pas prêt de s'éteindre non plus. C'est un marché important qu'on est en train d'échapper, là. Ouais, non, je pense que Matt, il s'en attendait un petit peu à voir les résultats. T'sais, on travaille fort, ouais. On travaille. Les gars dans le shop, ils ont jamais lâché prise, donc on travaille beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, semaine après semaine, Matt, il voyait que j'avais un petit peu moins, je pense, d'ambition là, de continuer à dépenser des sous dans des nouvelles pièces, de faire de l'expérimentation. Je suis comme un petit peu tombé tanné, donc sa réaction a été... D'ailleurs, je suis pas le premier qui a fait le move. Plusieurs gros pilotes l'ont fait avant moi, des grosses équipes. Puis non, il a bien réagi, mais par contre, là, c'est sûr qu'il va pas me féliciter de mes résultats récents. Là. On s'entend que ça reste un être humain. Là. Ben, on est content de tes résultats parce que là, tu sembles requinquer un peu là, avec ton beau week-end que tu viens de connaître. Tu t'es battu. Quelle bagarre samedi! On va montrer des images de cette bagarre incroyable avec Steve Bernard qui, à travers les années, est devenu un de tes bons amis. Et là, ben, c'est sur la piste que vous êtes battu là, pendant quoi, 75 tours samedi. C'est extraordinaire de voir ça. Ouais, écoute, c'est ça. J'ai retrouvé vraiment le plaisir là, à conduire la voiture. Je sors de l'auto, je suis content, j'ai le sourire, j'ai dit, j'ai eu du fun à soir. Versus une course que tu vas partir à l'avant, là, que souvent on reculait plus souvent qu'autrement. Là, on est parti de la 10e position, je pense, samedi, puis on a fini en 3e, puis on était là pour courser pour la victoire, peut-être pas pour la victoire, mais pour le podium, puis ça coursait avec les gars à l'avant. Donc,
c'est sûr que la flamme est allumée, puis comme j'ai dit tantôt, les gros shows de la fin de l'année, là, c'est vraiment quelque chose là, présentement qu'on a hâte d'aller faire. Versus peut-être que je les aurais même pas fait là, de la manière que mon début de saison allait jusqu'à maintenant. Quand tu parles de gens dans le garage, moi je remarque une grande fidélité dans ton équipe, Mickaël. C'est toujours le même monde qui est avec toi depuis tes débuts en modifié. Entre autres, Fred Gamache qui est là depuis longtemps et qui t'appuie, son fils Elliot qui en quelque sorte devient un pilote de développement chez vous, rendu à Sportsman. C'est le fun au bout de voir ça. Comment la relation, là, la symbiose dans votre équipe de course de gens là, qui sont là même à une certaine époque du sprint car, sont recul un peu dans le temps. Non, j'ai une super gang. Je vais vous dire, j'ai le summum, je pense, que je pourrais avoir présentement. J'ai Fred, on a vraiment beaucoup de plaisir dans le garage. On s'amuse. Elliot, que je le vois commencer à faire ses débuts, qui progresse de semaine en semaine. Alain Lamaire qui est là depuis les tout débuts. Merci Alain, merci PO qui fait les pneus depuis le tout début aussi. Il y en a plusieurs qui ont été là, qui ont contribué. René Gamache, le père à Fred. Une super équipe qui part par l'aide de mes parents qui sont, je pense, des gens super. En fait, que ils vont amener de la bouffe aux courses. Ils vont faire beaucoup plus que de dire « Hey, l'équipe a tout le temps à manger. Ma mère fournit on fait notre possible. » Et puis, je pense que les gars, ils ont du fun à venir, non seulement aux courses, mais dans cette famille du 25P. Là. On vient de voir justement une photo 2015, tes débuts en modifié. Mais on te reconnaissait comme un pilote de sprint car avant de faire le saut à temps plein en modifié. Moi, je me souviens... Colin, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, Mickaël, il va cette année de voyager partout, puis il va décider de devenir un pilote de modifié. Ça a été honnêtement plus long que je pensais. Puis finalement, ben, pour toutes sortes de raisons, tu t'es laissé convaincre d'essayer de modifier. Mais je pense que la transition n'a pas tout le temps été facile de passer du sprint car à une voiture complètement différente. Non, ça n'a pas été facile, surtout que nos dernières années en sprint, on était rendus à se battre avec des Steve Poirier, des Chuck Ebing, des Jason Barney, puis on était rendus. Je pense à un stade que on dominait rien, mais on coursait vraiment avec les meilleurs du sport. Donc, ça a été difficile de laisser tout ce succès-là de côté, puis de recommencer quelque chose à nouveau que je savais que j'arriverais, puis j'aurais pas les succès dès le début. Là. Fait que c'est ce qui me freinait un peu, mais aujourd'hui, avec du recul, je suis content d'avoir fait ce move-là parce que tu sais, on course à Grimby, on course dans notre ville, chez nous. Puis on a quoi un maximum là, la fin de semaine d'un heure et quart, un heure et demie de voyage à faire, donc c'est super. Mais on a eu des belles années en sprint aussi. C'est sûr que le voyagement, à un moment donné, ça finit par rentrer dans le corps. Est-ce que ça a été pour toi l'élément déclencheur, une écœurantite de voyager? Je sais que tu as eu des blessures également qui t'ont peut-être fait réfléchir à faire la transition. Oui, il y avait deux éléments. Il y avait le voyagement et puis l'entreprise familiale là, que mon père... gérer avant ça par lui-même, qui j'avais pas le temps vraiment. On coursait en sprint, je revenais, je préparais les autos, on repartait le jeudi. Ouais. Donc oui, je m'impliquais, mais pas comme je me le devais. Puis c'est sûr que mon père vieillit, donc il fallait que je m'implique dans l'entreprise plus. Puis les blessures sont arrivées, fait que là, on va se le dire, je pense que c'était un petit peu plus brusque en sprint qu'en modifié, quand t'as un accrochage, un accident. Donc oui, on y a repensé deux fois. Aujourd'hui, la petite famille, donc c'est pas le temps de... Pas le temps de tomber handicapé, si on veut se dire. Ouais, puis... Mais je parle... Puis moi, je décris du hockey dans la vie, comme tu le sais, puis moi, ce qui m'emballe le plus, c'est de voyager, d'aller à l'extérieur, puis ça, c'est cool au bout. Puis comme pilote de course, de se déplacer à l'extérieur, d'aller rouler aux États-Unis, c'est quelque chose de spécial. Je sais que les frontières sont fermées, mais est-ce qu'un jour, on pourrait voir Mickaël Parent de se payer à la traite, puis elle t'a déjà un gros bloc, puis d'essayer des courses de l'autre côté? Oui, c'est sûr que ça peut être une option. C'est sûr que mon père a tout le temps eu hâte qu'on essaye le gros bloc. Je pense que ça fit un petit peu mon driving style. Oui. Je suis quelqu'un qui aime avoir de la pédale, puis je suis capable d'avoir plusieurs situations de course qui vont faire en sorte que quand on a du moteur, j'aime ça. Donc, on a quand même vraiment bien fait notre première année qu'on peut dire qu'on a essayé les gros blocs avec une deuxième position à Drummond, une quatrième, je pense, à Grimby. Donc oui, peut-être un jour, je sais pas, une série complète, possiblement que non, mais aller s'amuser puis faire quelques épreuves ici et là, oui. Faut que tu me racontes, on parlait du sprint car tantôt, Mickaël, raconte aux gens ce fameux accident dont tu es victime à Canandaigua, un accident qui aurait vraiment pu t'handicaper pour le reste de tes jours.
Explique-nous un peu ce qui s'était passé ce soir-là. En fait, je pense que j'avais... je venais à les points. Steve Poirier était vraiment près de nous dans les points. Puis on avait toute une bataille là, pour les points. Et puis, c'est dans la qualification. Je suis rentré trop fort dans le coin. Puis j'ai accroché la roue du compétiteur arrière. L'auto s'est envolé dans les airs. Puis ça a fait comme un choc solide là, sur la cage. Puis c'est ça, j'ai eu deux ou trois vertèbres là, de fracturées. Donc... une mauvaise expérience. Ouais. Là, ça se passe aux États-Unis. Comment ça s'était passé? Le déplacement à l'hôpital, etc. T'as rapatrié ici. Imagine que c'était un paquet de troubles. Ouais, ça a été toute une histoire. Déplacement, là, on est parti de la piste de course en hélicoptère. Donc, se rendre à l'hôpital, les soins, ça a été super. Sauf que là, à un moment donné, il était temps de revenir au Canada. Pris l'avion là, dans la première classe là, avec le service un peu. Puis... Arrivé au Québec, mais là, on s'est allé à l'hôpital directement. Puis, c'est ça. Les soins ont continué de là, mais ça a été... je me rappelle plus exactement combien de mois là, que j'ai été... pas hospitalisé, mais alité à la maison. Ouais. Ouais, ça aussi, ça freine un peu le goût de retourner en sprint, mais je vais vous dire qu'après après mon rétablissement, j'étais comme déjà prêt à y retourner. On a une maladie d'aller aux cours, je pense, puis celle-là, je l'ai, fait que... ça n'a pas été une belle expérience, mais on en est revenu debout. Tu t'en es bien remis. Aujourd'hui, physiquement, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. C'est juste que des journées humides, là, c'est comme quelqu'un qui a eu des opérations, peu importe. Quand il y a une journée qui est humide ou on va faire un 100 tours ou quelque chose de même, là, je vais être raqué, mais je n'ai pas d'handicap. Je remarque une blessure à la main. Ça, ouais. C'est en course aussi. Hein? À un moment donné, le feu avait pris dans ta voiture en sprint. Ben oui, l'alcool. Ouais, ASB, la voiture avait pris un feu. Donc ça aussi, ça a été une autre... une autre expérience, là, l'ambulance va à l'hôpital quelques jours là-bas au Grand Brûlé, là, puis le temps de revenir, la même affaire, reprendre un avion en classe première, revenir au Québec, aller à l'hôpital à Montréal, être quelques jours là. Donc ouais, le mados des hôpitaux, je l'ai eu, mettons. La main, mais y en a-t-il autre ailleurs? Il y avait le bras, il y avait les cuisses. Il y avait ouais, c'est ça. Donc j'étais obligé d'être couché. Ça doit faire mal, ça doit être épouvantable. Ouais, ça, c'est je pense que ça, le côté de douleur, je pense qu'il va dépasser la fracture. Là. Ah oui, ouais, hein? Ouais. Ah, c'est pas une expérience qu'on souhaite à qui que ce soit. Le feu, il n'y a rien de plus effrayant que ça aux courses. Non. Celle-là, c'était une bonne ou sans modifier, Michael? Ouais, mais celle-là, il n'y avait même pas une égratignure. Juste l'auto en avait pas mal. Là, mais celle-là, on peut dire que ça a été plus de peur que de mal. Oh là là, moi, c'est moi qui décrivais cet accident-là, évidemment. C'était une première en ce qui me concerne. C'était pas moi qui étais là le soir où Jack Solomon en sprint avait fait exactement la même chose. Mais voir un modifié se retrouver de l'autre côté de la clôture, c'était assez effrayant pour tout le monde là. Ben, c'est ça. Moi aussi, je me suis réveillé puis je voyais le monde passer sur la rue Coway. Fait que là, j'ai dit, je pars bonne place pendant tout. C'est sûr et certain. Jimmy Horton avait vécu la même chose en NASCAR, l'autre côté de la clôture, mais là. Faire la même chose en modifié, c'est pas quelque chose qui est bien, bien, bien positif. Michael, plein de choses. On va te souhaiter une bonne fin de saison parce que là, c'est septembre rime avec grosses courses. Donc, on va te retrouver, c'est sûr, à Drummond les deux prochains week-ends. Cornwall aussi, probablement, à la fin de l'année. Ouais, écoute, là, je pense que les douanes ne sont pas parties pour ouvrir. Non. C'est sûr que notre cédule était Dallas Wego. J'aime tout le temps aller voir. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis par rapport aux sprint cars. Ouais. Et puis, ça fait toujours plaisir d'aller les voir. Et de passer du bon temps avec eux autres, mais là, je pense pas que les douanes vont ouvrir, donc on va aller encourager Raymond là, pour sa grosse course qu'il a eu l'audace de faire, donc on va faire toutes les grosses courses possibles d'ici la fin de l'année, si on n'a pas de gros bris mécaniques, puis d'empêchement. Michael Parent, merci beaucoup pour ta visite en studio, ben belle fun, puis continue de performer, on te réinvite, c'est sûr. Ben merci à vous les gars de course, je vois qu'il y a tout un setup en arrière de ça, félicitations à tout le monde qui y participe. Hey, bonne fin de saison. Merci bien gros. Merci. Michael Parent est le pilote de la voiture 25P en classe modifiée. Toute une carrière quand même. Il y a encore plusieurs années, c'est sûr et certain, à parcourir les pistes de course du Québec. Et d'ailleurs, on fait une pause et au retour, le bloc NASCAR et le bloc F1 avec Kevin, Lusignan et Hébert. À tout de suite. We'll be right back.
Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic. Garage P. Auclair. Remorquage du plateau. DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Le NASCAR et la F1 au menu avec Kevin Lusignan et Kevin Hébert. Salut les boys, comment allez-vous? Toujours bien, toujours bien. Yes. Bien, toi? Oui, oui, tout est sous contrôle. La qualité des intervenants. À vous d'être bons maintenant, messieurs. Lulu, on commence avec toi. Hein, oui, oui, la table est mise, la table est mise. Lulu, on commence avec toi du côté du NASCAR en fin de semaine. Deuxième épreuve de la Chase en Cup Series. C'était du côté de Richmond que ça se passait. Et Joe Gibbs, ma foi, commence les éliminatoires en grande forme. Martin Truex qui l'emporte après la victoire de Denny Hamlin lors de la première épreuve de Darlington. Oui, effectivement, c'était une belle course de 400 tours à faire du côté de Richmond. Victoire de Truex. Je vous ai découpé quelques petites séquences, justement. On a eu un petit scénario en début d'épreuve. Elliott, Hamlin, Suarez, Hamlin était en tête. Et on a Elliott qui vient chercher, justement, la position de tête. On s'est battu avec Suarez, qui était le retardataire à ce moment-là. Belle petite séquence. On a tout essayé de du côté d'Elliott. Puis on a réussi, justement, à se glisser devant le retardataire. Mais ce fut une course qui était spectaculaire. On le sait, avec la chase, tu sais, la moindre petite chose, tu peux pas prendre le risque de. Et c'est ce qui est arrivé aussi du côté de Kurt Busch. Kurt Busch qui l'a échappé directement dans la mini-épreuve. Il est venu frapper le mur par lui-même. On pensait que c'était un contact avec un autre adversaire au début. Mais malheureusement, du côté de Busch, il a frappé directement le mur. Donc, ce que ça vient faire, ça vient compliquer le tout. Parce qu'on s'entend que Busch, oui, vise quand même la chase. Ouais, ça va être dur, là, lui-là. Il va avoir besoin d'une victoire en fin de semaine. Et effectivement, puis on l'a vu la semaine dernière, c'était pareil du côté de Kyle. Donc, ça prend des victoires. Il faudra qu'on mette le pied au plancher du côté de Bristol. Mais on le sait que ces pilotes-là, Bristol, sont quand même reconnus. Oui. C'est des gars qui gagnent souvent du côté de Bristol. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. Et là, on a appris, en fin d'épreuve, Martin Truex, pénalité. OK. On avait mal serré les écrous de pneus. Donc, qu'est-ce qui se passe, ça? C'est qu'on a une amende de 10 000 $ du côté de son chef d'équipe, ce James Small. Donc, c'est pas suspension de son côté, mais une amende de 10 000 $ du côté de Small. C'est des choses qui arrivent. On l'a vu également du côté de la Coupe Xfinity. C'était arrivé avec deux amendes également. Xfinity, on va en parler brièvement. On voit le contact justement de Busch qui a mis fin à l'épreuve de son côté. Donc, on l'a vraiment échappé directement du côté de Kurt Busch. Et en Xfinity, victoire de Noah Gragson. Et les gens qui ont vu les images de la Xfinity, Gragson était très satisfait. Pourquoi? Il avait dédié sa victoire aux attentats du 11 septembre. Ouais. C'est pour ça qu'il était tant émotif du côté de Gragson. Et c'est ça, ce qui était en fin d'épreuve, on a vu justement Justin Haley qui se ramasse avec une pénalité et lui et son chef d'équipe qui doit payer la somme de 20 000 $ et est suspendu pour la prochaine course. OK, donc victoire de Truex garantit sa place pour la prochaine étape. Maintenant, c'est Bristol en fin de semaine. Il y a certains pilotes là, qui se retrouvent là, en sérieuse difficulté selon les points pour la suite des choses. Tu parlais de Kurt Busch, il en fait partie. Kyle Busch doit avoir un bon résultat lui aussi. William Byron est en sérieuse difficulté, il a pratiquement besoin d'une victoire. Et ça, c'est une certaine surprise compte tenu de la saison de Hendrick Motorsports. On parlait que ce serait pratiquement les quatre voitures peut-être à la fin lors de la dernière course à Phoenix, mais c'est pas parti pour ça du tout. Ben, c'est pas parti pour ça, puis même Alex Bowman, ça a passé près aussi. On a eu un contact lors de la dernière épreuve également. Donc, ça prend une victoire, on ne se le cachera pas. Passer à la prochaine épreuve, et ces pilotes-là, d'après moi, vont tout donner du côté de Bristol. On sait que Bristol, à l'automne, c'est souvent une course qui joue du coude. D'après moi, cette fin de semaine, ça va être une course à surveiller. Sous les réflecteurs, samedi soir, course du côté de Bristol Motor Speedway. Aujourd'hui même, Lulu, on apprenait des changements à la cédule de l'an prochain en NASCAR. Beaucoup de changements. Il y avait eu beaucoup de changements pour 2021, ça va être la même chose pour 2022. Et on aurait ajouté, dans le fond, les changements de 2021, on a vu la course côté de la terre battue qui avait été ajoutée, la course de Nashville qui fut ajoutée également. Et là, on ajoute l'an prochain, justement, on va avoir le clash qui va se déplacer au Los Angeles Memorial Coliseum. Ben ça va être bon. Un stade! Une course dans un stade! On prend un stade de football là, directement et on installe directement un circuit. Là, je vous ai découpé les images, on voit les images du stade. Et là, NASCAR s'est amusé à sortir une petite image que je vous ai trouvée tantôt, juste avant le show. Là. On rajoute un pavé de chaque côté, justement, du côté de NASCAR, pour pouvoir courir là-dedans. Fait que ça va être assez spécial. Ce sera pas large. Ça va jouer de la tôle. Ah, c'est vraiment sûr. Certain. La question que je me pose, on le sait que les Rams ont quitté ce stade-là parce qu'ils commencent à être désuets. Oui. On va avoir un gros travail à faire du côté de NASCAR parce que
je pense que c'était pas dans les meilleurs des états. Là. On voit qu'on travaille gros sur ce qui est du stade de ce côté-là. Sinon, on a l'ajout également de la Worldwide Technology Raceway dans l'Illinois qui vient s'ajouter. Une course qui va rejoindre la Grande Rivière le 5 juin. Donc, c'est Pocono qui va perdre de sa deuxième course. On savait que Pocono avait deux courses. Ouais. Puis en discutant tantôt, justement, il y a des gens qui sont pas très déçus de Pocono perdre. Bah, Pocono, c'est jamais vraiment le gros spectacle, là. Non. C'est pas une grande perte. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'il y en a un petit peu. Donc, c'est ce qui va arriver du côté, justement, du Wall Ride dans l'Illinois. Deuxième course qui s'ajoute là. Puis on s'entend qu'également, on va la Coupe des Amériques, le circuit des Amériques, qui a été annulé cette année dû à les pluies torrentielles. Mais lui va être devancé, si on veut, il était en mai, donc ça va être devancé en mars pour justement la deuxième course. Donc ça va être la première fois depuis 1982 qu'on va avoir des courses un dimanche de Pâques. OK. Donc NASCAR qui évolue de ce côté-là. On le sait, dimanche de Pâques, c'est un petit peu gardé pour le tournoi de Masters au golf. C'est vrai. Et là, on va voir les courses NASCAR en début d'après-midi, puis le golf en fin d'après-midi. Donc, intéressant du côté. Un seul congé dans toute la saison du NASCAR la saison prochaine. Un seul week-end. Imaginez-vous comment c'est dense comme calendrier. On n'aura congé qu'un seul week-end, c'est au mois de juin. Oui, tout de suite après la course de Sonoma, la COP qui va prendre relais par la suite. On prend une petite pause de congé. On n'aura pas de petit... De petites vacances comme on a eu là, avec le début de la chase, on repart tout de suite et on termine ça en novembre. Ça va être assez spectaculaire. Là. Il reste le reste du calendrier à sortir, mais il y a déjà les premières épreuves qui sont sorties. Donc, j'ai hâte de voir le reste, comment NASCAR va sortir ça. Bristol en fin de semaine, entre autres pour la Cup Series. Au cours du dernier week-end en série Pinty's du NASCAR, ça se passait du côté de Flamborough en Ontario, et Andrew Ranger est venu l'emporter dans la voiture 51 de Rick Ware. C'est une belle histoire à raconter justement sur le propriétaire de la voiture d'Andrew. Mais on sait que Rick Ware est aussi impliqué du côté américain en camionnette, en Xfinity, et c'est leur première victoire en carrière dans les séries NASCAR. Donc Rick Ware avec la victoire d'Andrew Ranger du côté justement cette fin de semaine, ben, ça fait en sorte que Rick Ware signe sa première victoire directement, et c'est quand même un peu spécial. T'sais, Andrew est parti à l'avant, a réussi à battre Triton Lapsevich en partant et dominer les 125 tours. Donc, Rick Ware, qui sont impliqués en NASCAR depuis des années, vont chercher leur première victoire. Donc, la 29e en carrière pour Andrew Ranger. Donc, on sait que ça ressort un petit peu le taux. Là, c'est toujours Alex Talgani qui domine le classement en NASCAR Pinty. Très régulier. Tag a fini 4e en fin de semaine pour l'épreuve du côté de Flamborough. Malheureusement, pour nos amis d'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, il n'y aura pas de Pinty's en fin de semaine. On avait d'abord remis l'épreuve qui devait avoir lieu justement à la fin du mois d'août en raison de la pluie. Finalement, ben, ça devait avoir lieu en fin de semaine le 18 septembre. Finalement, c'est annulé. Et je regarde la météo. Vous devriez pas regarder ça, les gens de la Beauce, parce qu'on va faire beau pas à peu près samedi. Je trouve que là, on vient de rater une superbe occasion. C'était ce qui est prévu, c'est une température idéale. On n'a pas annoncé, on sait un petit peu pourquoi c'est annulé, mais je veux dire, ça reste un petit peu nébuleux de ce côté-là, j'ai hâte de voir comment que ça va sortir au final, mais ça reste que c'est décevant un petit peu parce que ça a arrêté tout un spectacle. Tu peux le dire, COVID-19, vaccination. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est pas mal ça, en gros. Mais il y avait quand même des épreuves du côté de NASCAR à Chaudière cette fin de semaine. Oui, c'était le Bacon Bowl en fin de semaine en LMS, et c'est Patrick Lapelle qui est venu l'emporter. Effectivement, Patrick Lapelle qui réussit... Oh boy! Quelle photo! Wow! Quand j'ai vu ça, les gars, je me suis dit, faut que je la sorte, elle était très belle. Wow! Donc, une première victoire depuis longtemps de Patrick Lapelle, justement, vient décrocher la bourse de 10 000 $. Lui qui partait à l'avant, à côté de Raphaël Lessard. Il avait dominé toutes les tours, sauf le centième. Le centième donnait la droite à une bourse, justement, de 500 $ qui a été remportée par Lessard. Et par la suite, Lapelle a conservé la voiture à l'avant, malgré tous les drapeaux jaunes qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup d'accrochages en piste. L'appel qui garde l'avant et il revient remporter justement cette finale-là de 10 000 $. Mais là, on apprend aujourd'hui que l'appel de son côté, on est en train de regarder pour... j'ai un petit blanc de mémoire. On travaille sur la voie contre la voiture, mais il y a eu un petit protest sur la situation. Ah, OK. Donc, est-ce que ça va rester comme ça? On va avoir des nouvelles éventuellement de voir si l'appel conserve la victoire ou pas. Mais c'était également la dernière épreuve. Donc, du côté justement des LMS, c'est Mathieu Duroquin qui est couronné champion de la triple couronne Kennebec Dodge. Et dans la série championnat NASCAR Late Model, c'est Danny Trépanier qui met la main sur le championnat. Excellent. Merci, Lulu. On va suivre de près ce qui va se passer du côté de Bristol en fin de semaine. Minibeu, de ton côté, tu regardais de près ce qui se passait au Grand Prix d'Italie de Formule 1 et, ma foi, controverse par-dessus controverse, cette saison de Formule 1, c'est incroyable. Et là, on est en train d'assister à une rivalité digne des plus grandes rivalités de l'histoire de F1
entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un deuxième accrochage en peu de temps entre les deux pilotes. Je pense que le président des gars de course ne pourra pas dire que la F1 était plate en fin de semaine. Hey, ça a donné tout un show. Non, vraiment, tout un grand... Sort avec l'épée de Jordan Poirier. Oui, oui. Les menaces. Tout un grand prix. Mon équipe préférée qui va chercher. J'étais dans le zip en fin de semaine. Dans le zip? Oui. Non, belle victoire de Daniel Ricciardo. Vraiment, la lutte au championnat est féroce. On s'amène avec 5 points maintenant entre Mercedes puis Red Bull, donc de Hamilton et Verstappen. Retour de la tradition du soulier. Oui, le shoey pour Ricciardo est de retour. Donc, on saute sur le podium. On l'avait déjà fait avec Renault dans le temps. Maintenant avec McLaren. Puis en plus, le duo Lando qui vient chercher une deuxième position. Donc un doublé très important justement pour la lutte au championnat. On est troisième actuellement pour McLaren. On suit de près la situation entre eux puis Ferrari. Justement, ouais. Ferrari qui, malheureusement, chez eux, n'ont pas eu le week-end escompté. On pensait justement être meilleur que McLaren. Mais McLaren avait trouvé, de ce que j'ai lu, vraiment l'ajustement parfait qui se trouve à être le parfait ajustement entre l'aérodynamique, puis l'appui sur le circuit. Donc, Monza qui est de très longue ligne droite, besoin un petit peu de downforce, donc d'appui dans les virages, mais ça prend aussi une bonne portée avec l'aileron. Donc, plusieurs équipes ont travaillé sur l'aileron arrière. Ben, c'est McLaren qui ont trouvé justement l'option parfaite. Malgré le fait que Mercedes puis Red Bull se soient sortis, on croyait aux chances que McLaren ait cherché au moins une deuxième position en fin de semaine. Et c'est pas arrivé. Accrochage entre Hamilton et Verstappen. Je vais avoir ton impression sur l'accident en question. Honnêtement, j'en parlais un peu avec Lulu tantôt. On a deux positions différentes. Bon, ben OK, on peut avoir un débat. On peut avoir un débat. Pas de problème. La situation, pour expliquer aux gens la situation, c'est qu'Hamilton sortait des puits et Verstappen est sur son tour lancé. De son côté, quoique l'erreur est de Verstappen, merci. Moi je pense que c'est d'Hamilton parce que, ben on... Normalement, si tu sors, OK, on est en accélération dans le momentum du côté de Verstappen, donc c'est lui qui a un peu l'avantage. OK, je comprends du côté Hamilton, le jeu, c'est de resserrer l'adversaire pour pas lui laisser... je pense que c'est un petit peu un moitié-moitié. Oh, rendu à la limite, Verstappen aurait peut-être dû freiner, mais je pense que les deux, on se bat pour le championnat, fait que c'est ça, ça a resserré le taux. Ce que les analystes disent, c'est qu'on doit tout donner, il n'y a pas de place à l'erreur. Hamilton devait absolument être devant Verstappen, comme Verstappen devait absolument passer. Donc, Verstappen n'a donné aucune chance à Hamilton. Il a rentré très, très fort. Puis, quand il a vu qu'Hamilton était un pneu en avant de lui, il a décidé de rentrer encore plus fort, justement, pour rester là. Déporte un peu. Hamilton, il a vu l'occasion, a fermé la porte. Verstappen aurait dû lâcher. C'est la décision qui a été rendue par la FIA. Donc, la FIA a une pénalité sur Verstappen. 3 positions de pénalité sur le prochain départ du côté de Sochi. Ça peut avoir vraiment des conséquences, cette punition-là. On est loin des sanctions de NASCAR. NASCAR, ça change absolument rien. En F1, 3 positions, ça peut changer la donne concernant le Grand Prix. Si on ne vous présente pas l'accident, c'est parce qu'on a des chances de se faire couper par la F1 qui ont des yeux de lynx sur tout ce qu'on présente sur le web. On n'a pas le droit de vous présenter les images, donc on utilise vraiment des photos pour agrémenter le propos. Mais j'aimerais qu'on nous ramène justement la dernière image parce que elle veut tout dire. La pertinence du halo, Kevin, qui vraiment là, ne laisse aucun doute. Regardez ça. Regardez la tête de Lewis Hamilton et regardez le dessus de sa tête. Il y a le halo, mais il y a aussi le pneu arrière droit de la voiture Red Bull de Max Verstappen. Honnêtement, s'il n'y a pas de halo, Lewis Hamilton est sérieusement blessé aujourd'hui. Ah oui, les dommages sur le casque. On avait des photos. Là, il y avait vraiment l'aileron arrière sur le casque était endommagé. D'autant les pilotes s'ostinaient dans le temps à dire « Ah, le halo, pas une bonne idée. Non, c'est pas beau. Ça va rien faire. » Autant maintenant, on a eu Russell qui l'a défendu, qui s'est fait sauver par ça. Vraiment, il n'y a plus aucun pilote qui voudrait l'enlever. Romain Grosjean qui avait été sauvé par ça aussi. Donc, Hamilton, de même, lui aussi dit que le halo a carrément sauvé sa vie en fin de semaine. Oui, puis au niveau esthétique, sérieusement, je trouve que ça brise pas vraiment la magie. Là, personnellement, on finit par vraiment s'habituer à la pertinence du halo. Bon résultat pour Aston Martin en fin de semaine. La 7e place de Stroll, 12e dans le cas de Sébastien Vettel. Oui, effectivement. Puis des bonnes nouvelles aussi du côté d'Aston Martin. Lawrence Stroll, donc le père de Lance Stroll, a fait un énorme investissement
On parle de millions d'euros de dollars dans un nouveau complexe à Silverstone. Donc, on développe une nouvelle usine, toute regroupée. Puis surtout, ce qui est important en Formule 1, c'est le tunnel de vent, donc le wind tunnel, qui permet justement toute l'aérodynamique d'une Formule 1 et travailler là-dedans. Ben, on a investi dans ça. Actuellement, on prenait celui de Mercedes. Donc, fallait déplacer les pièces. On avait moins de rendement. Donc, le développement des voitures, qui est très important en Formule 1, ben, on n'avait pas les résultats escomptés. Donc, maintenant, massif investissement pour Aston Martin. On s'attend à dans 3 à 5 ans pour Lawrence Stroll aller chercher un championnat grâce à ça. Donc, Jamais caché ses ambitions, hein, M. Stroll, considérant le championnat de F1. Prochain Grand Prix, le Grand Prix de Russie, mon cher Kevin. Oui, effectivement, on s'en va du côté de Sochi. On va avoir tout un Grand Prix. On s'attend justement à ce que la lutte reprenne. Verstappen, Hamilton, de moins en moins de Grand Prix au calendrier. 5 points de championnat qui les différences. Donc vraiment, ça va être un Grand Prix encore d'une fois important. L'année passée, Valtteri Bottas qui est allé chercher ça pour une deuxième fois dans le championnat 2020. Donc ça va être intéressant de voir ce que Bottas va pouvoir faire. Un élément important dans ce championnat, entre autres, Valtteri Bottas qui doit défendre un peu son coéquipier Lewis Hamilton, même s'il n'est pas très, très bon pour le faire, qu'il ne souhaite pas vraiment le faire, il reste qu'il y a un rôle important qu'il devra accomplir. OK, à suivre pour la prochaine fois. Merci, messieurs Kevin et Kevin. Kevin au carré. On se reprend très, très bientôt. Certainement. C'est des boys. Une pause. Et on complète ça avec notre président des gars de course, Tommy Lavallée, pour les choix du président présentés par Garage Prix Hautelaire. Garage Prix Hautelaire est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P.O. Claire, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P.O. Claire fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P.O. Claire, 1325 Principal à Saint-Dominique. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit, et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, Boulevard Lemire, à Drummondville, ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P.O. Claire, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P.O. Claire, 1325 rue principale à Saint-Dominique. On est de retour pour les choix du président. Là, le cadrage là, est assez moyen, on est trop grand. Veuillez, s'il vous plaît, changer l'angle de caméra. Parce que c'est rien que nos bédaines qu'on voit. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Fait plaisir. Tommy, qu'est-ce que tu fais avec ça des mains, là? Ben encore une fois, notre spécialiste sprint car, Jordan Poirier, en a ajouté deux à sa collection en fin de semaine. Il est encore dans la région Niagara, Merrittville, puis Brighton, je crois. Humberstone. Deux autres victoires pour le chevalier Jordan Poirier. Donc, s'approche d'un championnat. On va lui souhaiter, lui dire félicitations. Puis on va le réinviter là, pour parler de sprint car sur le show. Bon, ben, Preux Chevalier Poirier. Quand même pas si pire comme sort de nom, ça. On va y en trouver un autre. Habitué. D'Artagnan. Pas la première fois qu'on lui trouve des sourdons. Tommy, tu voulais dire un petit mot au sujet des mini-mods qu'on a oublié parce qu'ils étaient présents au RPM samedi soir. Oui, très belle victoire de Pascal Bissonnette qui est dans la voiture 96, qui a remporté la victoire. Les La Police étaient assez... le suivaient, voulaient aller l'attraper. Ouais. Là, c'est... Ouais. Mais...
justement, Bissonnette qui a remporté la course. Après avoir cédé la première position à Jonathan Lapolice, l'a repris par la suite. Donc, très belle victoire de sa part dans la voiture numéro 96. OK, salutations sont faites aux gens des mini-modes. Le gros événement de la semaine sur la terre battue, ça se passait à Eldora Speedway. Alors qu'on présentait un double événement, le World 100, édition 50, édition 51. On présente deux gros événements par année en late model du côté de Eldora. Il y a le Dream et à la fin de la saison, c'est le World. Et en fin de semaine, ça n'a pas été de grandes courses. C'était très très sec. Il n'y avait vraiment pas de place à dépassement. Est-ce que tu dis ça parce que Kyle Larson n'a pas gagné? Ben, Larson n'a pas connu une grande fin de semaine. Non, mais c'était pas facile. Non, ça dépassait pas. Encore une fois, on a présenté le 51 avant le 50. Ouais. Un peu la même formule qu'on a eu du côté du Kings Royal avec les Sprint Cars. La première course a été remportée par celui qui gagne tout cette année, Brandon Overton, dans la voiture 76. Et son surnom, Big Sexy. Mm-hmm. Très belle victoire de sa part. On pensait bien que T-Mac avait peut-être une chance à la fin, revenait. Jonathan Davenport était rapide au milieu de l'épreuve, mais vraiment, c'est une victoire de Brandon Overton. 54 000 to win. Pas si peu. Quand même. Pas si peu. Pas si mal. Puis l'autre course, ben, c'était remporté par Superman Jonathan Davenport, donc une très belle victoire. Le début de la course, c'était Blomqvist qui menait devant Bobby Pearce. Bobby Pearce qui avait été suspendu là, pour un programme, donc a manqué le premier parce qu'il y a un de ses coéquipiers qui s'est promené en quatre roues et il n'avait pas le droit. Ah bon? Donc il y a des lois partout. Donc c'est Jonathan Davenport qui a gagné la 50e édition, la 51e c'est Overton. Mike Marler, deuxième entre autres, et Pierce qui a complété pour la troisième marche du podium lors des deux éditions du World 100 à Eldora. L'accident de la semaine, mon cher Tommy, d'abord, ça brassait en sprint car, il y a eu de gros crashs tout au cours de la semaine, et en voici un d'ailleurs qu'on vient vous présenter. Ça, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un spectateur qui filme ça. Mais cette voiture-là sort de nulle part. Si on peut la revoir, là, c'est vraiment... C'est où là, exactement, sais-tu? J'ai pas réussi à... J'ai vraiment... Honnêtement, Anthony, j'ai vu ce vidéo-là avant d'entrer en onde. J'ai dit, faut qu'on monte ça. Ça n'a okay. aucun sens. Ouais. C'est une bonne accident. C'est une piste qui a accueilli les World of Outlaws. Exact. On a les banderoles. On voit les banderoles. Donc, c'est une piste qu'on connaît. Mais un accident assez sérieux. Heureusement, le pilote s'en est bien sorti. Heureusement qu'il n'y avait personne là. Hein? Ça aurait pu être très dangereux. Regardez la distance que la voiture parcourt en capotant. C'est assez impressionnant. Il y a eu des accidents aussi en URC au cours de la semaine là, qu'on s'est partagé dans nos différents réseaux sociaux. Ça a brassé pas à peu près. Un jeune pilote de 17 ans qui a dû être transporté à l'urgence par hélicoptère. Il s'est fait frapper directement dans la cage. Donc... beaucoup d'accidents en URC du côté de Georgetown. La piste était dans un état lamentable, puis en sprint car, ben, ça ne pardonne pas. OK, les choix du président présentés par Garage P. Hautelaire, mon cher Tommy. Au troisième rang, un petit mot au sujet de Dominique Dufault. Oui, Dominique Dufault, puis là, je dis troisième rang, ça peut être l'inverse aussi, là, c'est les trois choix. Dominique Dufault, on en a parlé tout à l'heure, belle carrière, Dominique... un pilote qui courait en gros bloc, en sportsman, maintenant modifié. C'était un pilote qui était toujours là, toujours compétitif, des belles voitures. On arrivait préparé aux courses, donc vraiment, félicitations à la famille Dufault. La même chose que j'ai dit tout à l'heure, je voulais souligner vraiment là, les 25 ans de carrière. Oui, très beau montage photo. Cette plaque commémorative que le RPM Speedway Autodrome Grand Bay ont remis à Dominique après... cette belle soirée, on va le revoir en piste d'ici la fin de la saison à Drummondville, mais ça tire à sa fin. Dominique qui veut se consacrer maintenant à la carrière de ses enfants, mais mon petit doigt me dit qu'on va le revoir un jour ou l'autre. Je pense que la passion des courses n'est pas disparue du jour au lendemain, et son frère Benoît, lui, là, il en mange encore. Fait que du jour au lendemain, je pense pas que Benoît Dufault va se retirer des courses rapidement. Oui, puis si j'imagine qu'on va voir les fils à Dominique en slingshot avant longtemps, donc... Ouais. On devrait voir Dominique Dufault de retour aux courses. OK, parlant de slingshot, un petit mot au sujet de Jeff Beaumier qui a dominé cette année l'Atlas Slingshot en senior. Et lui, ben, il fait le saut l'an prochain, c'est confirmé, en sportsman. Oui, Jeff Beaumier, là, même si, oui, il a eu des très bons résultats. Il a remporté le championnat à deux endroits, à Drummondville puis au RPN Speedway. Mais ce que je retiens, moi, c'est la gentillesse de ce petit gars-là. Vraiment super gentil. J'ai parlé avec les officiels. Ils n'ont jamais de trouble avec, avec cette équipe-là. Même, il y a des officiels qui me disaient ben, ça va être le fun de voir en sportsman, justement, parce qu'on n'a jamais de problème avec lui. C'est une équipe qui écoute les règlements, puis il n'y a jamais un mot plus haut que les autres.
Félicitations à Jeff. Puis c'est comme je disais, c'était peut-être le dernier qui demeurait encore en single shot, ouais, qui devait monter. Ça a été un peu plus long que les autres. On le sait, c'est pas toujours facile au niveau du budget. On n'a pas tous le même budget, mais là, l'année prochaine, va être en sportsman et va être à surveiller. Oui, puis c'est une catégorie qui se rajeunit à chaque année. Hein? T'as raison de le mentionner. Jeff était le prochain. C'est à son tour. Maintenant, on lui souhaite bonne chance en sportsman la saison prochaine. Et comme chef de file dans tes choix du président, la palme de la semaine revient à Cédric Gauvreau. Cédric Gauvreau, pilote sportsman qui s'est battu contre les deux plus grands champions modifiés de l'histoire de Long Grand Bay. C'était incroyable. Cédric a passé très près de remporter la victoire. A vraiment donné du fil à retordre à David Hébert. François Bernier n'a pas été capable de le dépasser. Vraiment, félicitations à Gauvreau qui connaît toute une saison. Partout où est-ce qu'on va, lorsqu'il est là, et a des chances de gagner, remporter des grosses courses à Grand Bay, des grosses courses à Drummondville, gagner des victoires également du côté de Cornwall. Donc, chapeau à toute l'équipe de Gauvreau. Ça poursuit la tradition là, de la famille Gauvreau. Donc, on l'a reçu déjà une fois cette année. Mais félicitations à Cédric et à Eric qui préparent une très bonne voiture. Puis Denis qui est de retour aux courses en Pro Stock. Donc, les courses, on est encore ancré là-dedans chez les Gauvreau. Aucun doute là-dessus. Souvent, au cours des années, on a vu des pilotes prêts à monter, en modifier. Puis Cédric Gauvreau fait partie de cette lignée-là. Il est prêt, c'est clair. Oh oui, parce que à mon avis, s'il fait le championnat complet sur nos circuits, il en gagne au moins un. Ah, assurément. C'est sûr, c'est sûr. Donc, on attend souvent d'avoir un championnat avant de monter. Là, on a eu un horaire un peu hâte, là, disons, pour Cédric Gauvreau. Donc, je pense bien que l'année prochaine, si on fait le saut en modifié, oui, ce ne sera pas la même compétition, mais il nous a démontré que ça ne l'énervait pas là, de courir contre les meilleurs. Même à Trois-Rivières, on l'a vu, parti très loin dans la finale, a fait une belle remontée. Dans le B-Main, a fait une très, très belle remontée. Dans la finale, malheureusement, ça s'est fini un peu trop tôt suite à un accrochage. Mais quand même, nous a beaucoup impressionnés lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais, bonne chance dans ses projets futurs à Cédric Gauvreau. Puis en terminant, Tommy, ça va être plus tranquille les gars de course en fin de semaine. Direction Drummondville, où Yann Bussière reçoit les amateurs de course pour le Race Mania 17. Race Mania 17, donc, avec en vedette 70 tours sur le vert pour les modifiés. Je pense qu'on va jouer au Lego dans les puits là, pour savoir avec oui, quel Tetris, comment qu'on va parquer ça. On a les STR, on a les Mud Light, on a les Lightning Sprint, on a les modifiés, on a les Sportsmen, on a les Pro Stock, on a les Slingshot. Fait que d'après moi, il va peut-être en avoir parqué sur la route. Possiblement. Je lève mon verre à mon ami Régent Darcy qui va devoir placer tout ça dans les puits. Bonne chance, mon ami Reg. Petit gorgé d'eau pour toi. Il y en a un, tu peux mettre loin. Là, Kevin Hébert, lui, l'autre bord. Pas grave, lui. L'autre bord. Puis c'est pas grave, je suis là. Il va briser en se rendant à la piste. C'est bon. C'est très, très bon. Ah, il peut pas se défendre. Pau de spit. Tommy, merci beaucoup. Yes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu brilleras par ton absence, d'ailleurs. Oui, on va taquiner la truite. Je t'avertis, tu pogneras rien. Parce que moi, chaque fois que je vais pêcher, ça vaut pas cher la douzaine. Oh, je pogne mon quota à chaque fois. Ah ouais. Tu m'amèneras des bons filets de truite. J'aime pas, j'haïs pas ça, manger ça de temps en temps. Ouais, ben, m'en emmener parce que moi, j'en pêche, mais j'en mange pas. Vous aurez dû voir manger ces hot dogs avant les cours, avant le programme. Ça confirme ce qu'il vient d'affirmer. Il vous ment pas, c'est sûr qu'il mange pas de poisson. Oui. Hot dog de truite. Oui. À Acton va, il mange des drôles d'affaires. OK, là-dessus, salut tout le monde. Bonne fin de semaine, on se revoit aux courses. Bye-bye.